Çöpümü görmek ne olur elini. You know I love to skate. Touch smoking, touch skirt, you gon' die today. Been playing with them sticks since back in the day. In the street with them killers with a rag on their face. Had a rough ass, like y'all see that demon in me. I wasn't proud of my family like that bitch Penny. I'm just talking on this song, man, this shit in me. Say story about my gang, but it's too many. A lot of niggas that make it collars like that nigga Ricky. 313, this the motherfucker Blood City. Let a nigga get to trippin', we gon' knock him off. Let a nigga get to trippin', we gon' knock him off. And if he throwin' up them seeds, we gon' blood walk. Blood walk, blood walk. Let a nigga get to trippin', we gon' knock him off. Let a nigga get to trippin', we gon' knock him off. And if he throwin' up them seeds, we gon' blood walk. Ain't no question to ask where the fuck I'm from. 48205, that's the real slums. Red zone where you get your ass fucking slump. 7 Mile where them niggas fucking go dumb. They been sleeping on my city, time to wake them up. Motown, how the fuck y'all forget about us? Come to my city, fuck around and get your head bust. I wanna do see life like I see life. No, I see life and I can be life. 212 little nigga, what it fucking be like? He got a point to prove, so I gave him the green light. One false move, nigga, it's gonna be a bad night. Let a nigga get to trippin', we gon' knock him off. Let a nigga get to trippin', we gon' knock him off. And if he throwin' up them seeds, we gon' blood walk. Blood walk, blood walk. Let a nigga get to trippin', we gon' knock him off. Let a nigga get to trippin', we gon' knock him off. And if he throwin' up them seeds, we gon' blood walk. Oh yeah, nigga, it's that Berrius, nigga. 700 block. We bracket. Yeah. 500 block. Created by Zach. Blood walk. I do mine like these. In the beat, bracket, bitch, fascinated how the bloods talk. Oh yeah, that shit crazy, nigga. What's that? 30,000 for a break, want to split, drop a dub off. Yeah. I'm seeing though, we bracket, yeah. Nigga. You in love with the bitch, but to us, shit, jump off. Ass out. Ass out. Who put you niggas on the set? Show you niggas how the blood walk. Whoa. On the Henny B, I'm faded. Gang related, shut the party up the skate. Bye-bye. Throw the gang up. Gang slide, no yeah. Gang drugs. Gang, gang, all our homies bracking. If you ain't front of town, touchdown, better tap in. Finger on the trigger, ain't no lacking. Real life, this ain't no challenge. These 223s will cause damage. Long red belt, red strings, blood walking on stage. I swear to God, I must have had the soul to be praised. Getting high in my diamond ride, that's on the set. Any sign of fear, we taking the chain right off your neck, nigga. Where you from? You don't bang, where your mama stay? My niggas foul, they bring that chopper where your mama stay. Bandless, niggas can't stand this. My little nigga ES with the BS, he from Mantis. Shooters from the bitty gang, slide down Van S. Pull up and get busy, we ain't with that Instagram shit. Thuggin' in the jungles, Gerbin' in the families. My niggas having paper, walk around with 50,000. You already know what the new sign, you damn just know what the new sign. Ate the pussy, play with it at the same time. Sent the pack in the air, it got hang time. Fuck you, man. Et yo 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 yo, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas mort de chaud. On va venir un peu RP, on est tard. Hein. J'ai profité un peu qu'il faisait meilleur dans mon jardin histoire de profiter un peu d'une petite brise légère. De se rafraîchir après cette journée. Bon, on va partir un peu de RP, j'espère qu'il y a du monde. Je crois pas qu'il y a beaucoup de monde. Ça commence à arriver, hein. Je pense que les gens ont fait comme moi. Hein. Ils ont profité, ils ont bouffé tard. Ils ont pris le petit vent, la petite nuit qui tombe. Et là, on va partir. Hop, je vous fous la scène. Pas de cam, hein. Je suis à Walpé, les gars, dans mon bureau. Il fait 50 degrés.
Si j'allume toutes les lampes et tout, c'est vrai. J'ai pas de clim. Yonji, ouais, on va récupérer la tulipe qui est là. Ouais, putain, c'est vrai ça. Qui a foutu la merde avec les tulipes là? C'est toi, on a trouvé les tulipes sans essence. Comment ça, c'est moi? Ah, t'as vu ma caisse, Odzi, de l'hérité de mon grand-père? Ah, raconte pas ta vie. Moi aussi, je t'aime, Odzi. Moi aussi. Ah, tu l'as hérité de ton grand-père? Ouais, ouais, il est tombé dans les escaliers, ce con. Ah, putain. Et quoi, t'as aidé? Ah, ouais, en fait, c'est les breakers. On a parlé ah non, breakers. Ça donne dommage, hein. Alors, on peut pas tout avoir non plus, c'est un gros rat. Ah, Odzi. Ouais, quoi? J'ai le numéro de biker de Hells, là. Ah, quoi, ils c'est. Ils sont venus réparer les voitures, tu sais, les bikers réparateurs et tout, là. Ouais, les sont dans du bikers à moto. Ouais. Ouais. Ils sont dans du business, apparemment. T'as la tulipe, ouais, faudrait qu'on aille leur parler et tout, tu vois. On a croisé aussi un mec là qui. Ouais, putain, mais y'a un Bloods là. J'ai pas tout compris. C'est qui lui? Je sais pas. Yo boy! Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est un mec ça. Du numéro 11 game. Qu'est-ce que tu fais là? Oh putain, quoi? Il appelle les flics, quoi. Il appelle les flics. Oh putain, il m'avait ski! C'est ça! Vas-y, défonce-le! Oh Dieu! C'est qu'il a le mal droit cet enfoiré, laissez-le moi! Touche pas à moi, Ozzy! Vas-y, Ozzy, fume-le! T'es venu ici, espèce de bâtard! Comme ça, ça fait le mal avec mes couleurs, espèce d'enfoiré. Putain, je crois que c'est un cop, ça filtre. Un jour, vous aurez mon étoile sur Vanuit Boulevard, moi. Ouais. Mais c'est pas le cas avec Mimi, ça. Ouais, ça va ou quoi? Ouais. Salut les petites tapettes, comment ça va? Ouais, ça whoop, mec, qu'est-ce qui t'arrive là? Ouais. Alors, dans ma même phrase, il y a eu deux interjections. À savoir tapette et comment ça va? Après c'est à vous de voir. C'est de la tapette ou c'est. Eh mais pas derrière moi toi. Attends, qu'est-ce que j'ai entendu là? Moi, j'ai pas ce qui me prépare derrière. Pas trop, qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est qui l'a pu tapette là? Il a dit interjection, c'est une insulte, je suppose. Ouais, c'est interjection, ouais. C'est quoi ta voiture là? Moi je la veux. Ouais, c'est vrai. Tu vas repartir à pied, tu vois. T'es un homme mort. Comment ça, t'es un homme mort? T'es en train de te menacer? C'est ça que tu fais là, Elvis? Non, c'est ma voiture qui te menace. Putain, c'est vrai qu'elle est menaçante quand tu la vois comme ça. Je t'appelle Elvis si je veux, putain. C'est comme ça ici, c'est mon Jekar, tu vois, j'ai fait pipi partout. Bah tiens, bon, j'ai pas de batte, j'ai pas de batte. Ouais, elle me semblait bien, ouais. Oh merde! Oh putain, l'enfoiré, vas-y, dégommez-le sa gueule. Dégommez-lui sa gueule. Arrêtez! Non, n'y touche pas! Ah! J'ai dit non, putain! T'as même vous faites chier, quoi, à chaque fois vous voulez me taper! Ouais, mais tu lourd, toi! Ouais! Oh, bon, tu sais pas où t'es, toi, là, ici! C'est malade! C'est bon, il va bien, le OG! OG Simpson, là, relève-toi! Ozzy? Ah, ouais! Oh, putain! Désolé, les mecs! Non, là, je voulais pas! Ozzy? Ah, mais je suis nerveux dès que j'ai la lampe! Oh, putain, j'ai mis du sang partout! Ozzy? Range ta putain, toi! Ouais, range ta lampe, toi! C'est bon, je me calme! Pas de OJ, ça va? Calme-toi ici, c'est Vanwood, hein, c'est le Blood King! Vas-y, défonce-le, ouais! Mais c'est Simpson! Attends, de nous filer de la thune! Attends, je te dis! Mais j'attendais de pas rester à côté de moi! Putain! Vous avez rien fait en plus! Appelle pas la police! Non, tu crois qu'on va appeler les cops? Tu crois j'en sais rien, je vous connais pas, ok? Oh, nous on est les Bloods Gang! Le quoi? Les Bloods Gang! Ouais. Gang ouais. C'est quoi ça? Bah, c'est le Bloods Gang, tu connais pas le Bloods Gang? Là? Ouais, nous, c'est nous, la rue elle est à nous. Putain de merde, mais c'est qui ce gars là? Ça va bien? Je t'ai fait renifler un petit. Je t'ai fait renifler un petit peu de. Comment que ça s'appelle? Du Vicks Vaporub. Ouais, putain, directement ça va mieux là. Mais putain, mais t'es qui toi? M'appelle John, John Gassé. Putain, tu vas détaler 4 blouses comme ça tout seul, mec, je vais t'engager. Ça tombe bien, j'ai pas de boulot. Enfin, y'a pas assez de morts dans la ville.
T'es quoi, t'es une genre de cyborg, un truc comme ça, c'est pas possible, putain. Bah, je suis là. Pas un cyborg, non, je suis fan de Dick Rivers. Putain, t'as taillé toi avec une lampe à torche, moi c'est un truc de fou. Une lampe à torche. Une lampe à torche. Bah, tu fumes du crack ou quoi? Eh, t'es sous l'aide. T'es sous coke. Disons que j'aime pas dormir. Ah ouais, les stéroïdes, Par contre, les gars là. Il a été allé votre G, vous causez avec lui, vous lui faites rien, vous le chopez pas, vous avez pas sorti du pognon, putain, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire là? Ils ont pris ma montre. Il va gentiment nous filer. Ouais, c'est vrai, un petit dédommagement là, tu vois. Un bon petit billet, bon. Ouais, sinon on va te cramer. Allez, 5 bucks. Ouais, j'aime bien le chiffre 5, quoi. Et qu'est-ce que tu te balades avec un courbillard? Ben, c'est mon boulot. C'est ça en fait, donc tu manques de taf, donc tu veux tuer des gens sur les rues. Ouais, t'as peut-être compris ce que je voulais faire. Putain, mais c'est un commercial, c'est un commercial. Attends, je regarde si j'ai plus. Ouais. Putain, je suis vraiment dans la tèche en fait. Ta petite veste en cuir aussi là. T'es sous-traitant, on vend, nous on tue des gens et toi tu nous files un petit billet. Ça peut se faire ça. Ah ouais, tu rachètes des organes aussi. Ah ouais? Eh, touche pas au Machiavel là! La famille peut le redemander, c'est pas parce que ça fait 3 semaines qu'il est derrière que. Je veux bien vous le montrer, mais ça fera 50 dollars. Ah ouais, flippant! Ah ouais, c'est serre quand même ça. Wow! Oh putain! Putain, mais ça fait plus que 3 oh, l'odeur! Wow. Bah ouais, c'est pas ça. Ah, j'ai pas trop de choix, hein. C'est un peu le corbillard de mon. Mais qu'est-ce que tu fous là modifié. Putain, ça fait longtemps que tu taffes pas si tu te balades avec ce macabre depuis des semaines. Ouais, mais putain, ça fait 3 semaines qu'il est dans ce putain de truc, y'a pas un seul cadavre là. La mortalité, elle a jamais été aussi haute. Basse. Ouais. A priori, le seul mort qu'il y a, c'est de l'autre côté là, chez les pouilleux là. Ah ouais, avec la clavicule en plus là, ça, c'est ça l'odeur. Bah, tu sais quoi, vas-y, donne ton numéro, nous on va te filer des macabres. Bah, ça marche là. Vas-y, vois ça. Oh, j'ai un message. Ah, c'est peut-être un cadavre. C'est quoi? 56-70. Et c'est quoi ton nom? John Gacy. John W. Gacy. Arrête d'éternuer, toi, on va mourir. T'as un frère, non, il me semble. Possible, ouais. Ouais, qui me baisse déguisé en clown. Ouais, c'est possible que lui, il travaille plutôt avec les enfants, ouais. Ouais. Je vois ça, c'est du coup, tu fais affaire avec lui, quoi, tu vas ramasser ses macabres. Écoute, pour l'instant, je connais pas assez, d'accord? Ouais, ça paraît pas Georges, ton frère. Ouais. Peut-être. Putain de merde. Peut-être que j'ai pas de frère aussi. Ah ouais. Les gars, il vaut mieux pas traîner avec ce gars, à mon avis, putain. J'ai entendu parler de son frangin, si c'est le même, je crois qu'il faut se cacher. Mais j'ai pas Mais qui dit que j'ai un frère? Ça se trouve, j'ai pas de frère. Putain, ah ouais, ça se fait, t'es le même gars en fait. C'est peut-être le mec dans le corbillard, son frère. Putain, c'est peut-être le gars qui a mis le gars dans le corbillard qui a tué le gars. Peut-être. Putain, regardez, il est en train de changer son visage là. Oh putain. Putain, c'est le diable. Je vais le planter. C'est le diable blanc. Non. C'est bon. Vas-y, tranquille, moi je trouve ça mignon. Tu vas avoir la malédiction sur le. Bon, bah là, à la limite, tu me fais une petite balafre, mais pas trop fort, hein. Sur le coin de la gueule. Ouais, une balafette. C'est une petite balafre. T'es prêt? Une balafreuse. Allez! À tous les coups, il plante Junior. Regarde-moi ça, les petites blouses, comment elles sont mignonnes. Ouais, c'est vrai. Il y en a de plus en plus, on commence à faire des ravages. Voilà, wow, doucement, c'est ma meuf. Oh putain. Attends, y'a la même là. Partage. Y'a là, toi. Y'a là. Ah bah, une nouvelle place dans le carbouillard. Bon. Ouais, ça whoop. Ouais, ça. Dis-moi. Non, il faut que je l'appelle. Je vais sortir du plumard. Là, on est avec un gars. C'est pas bizarre. Il se balade avec un courbillard. Il a un cadavre dans le coffre. Ouais, on l'a vu. Il était bizarre. On s'est fait tirer dessus par Mimi là. Quoi, ça, Mimi, vous a tiré dessus? Pour le quota? Ouais, c'est ça. Putain, il va falloir le choper, cet enculé de Mimi là. C'est quoi ça? On va lui faire comprendre le quota. C'est comme ça. Vas-y, je vais l'appeler là. Ça fait deux fois qu'elle passe. Je l'appelle et je vous contacte. Chef, 1m75, chef. 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Salut, j'ai là-bas. Ballas gang. T'es ballas? Ah, d'accord, ok. Ouais, sinon, quoi, c'est toi qui répare les caisses ou pas là? Non, mais j'ai le numéro. Je te ramasse aussi les cadavres des chefs. Les cadavres des caisses, parce que là j'ai un cadavre de tulé, putain, en train de faner. Non, mais c'est bon, elle est réparée. Elle est réparée. Ok.
Vanhoud, ouais, viens chercher Vanhoud, vas-y. Ouais, on est actifs, nous. Ah, c'est vrai, je vois ça. Par contre, je me fais tabasser la gueule, par contre. Et voilà, ça, c'est pour le petit de tapette. Ouais, bah, on était déjà tous au sol, avant que t'agisses. Ouais, c'est vrai, c'est putain. Oji, c'est quoi ton petit numéro fétiche? Moi, putain, je sais pas, aujourd'hui, c'est le 66. Le symbole du diable, le 6, un 6 en moins. Ouais, c'est ça. Putain, moi, la honte, c'est le nord de la France, et putain. Tu vas voir si on travaille pas pendant que t'es pas là. Ah ouais, vous avez fait quoi, là? Bah ouais, mon gars, on travaille, on tient le quartier, on vend et tout, quoi. Putain, vous avez chopé ça comment, là? Ah, t'inquiète, c'est une combine de tchèque. Mais quoi, vous vendez des poubelles? Allez, vous osez en prendre une. Vas-y, on la vend 5 000 $ la poubelle. Tu vois, c'est un peu comme les box qu'on vend au hasard, tu vois. T'as peut-être un truc dedans ou t'as pas de truc dedans, ça, toi. Ouais. Elle est en train de tout mater, celle-là, je crois qu'elle te mate. John, elle te veut, là. Elle là? Ouais, elle te veut, regarde, elle dandine. J'ai déjà baisé sa fille. Ah ouais, putain, mais je crois qu'elle en veut aussi, à mon avis, t'as laissé une bonne impression. Comme sa fille, je vais attendre qu'elle crève. Ouais, c'est vrai, putain. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle, ce John. Bon, John, c'est pas côté pas, mais on a du taf. Ouais, ouais, je comprends bien. Vas-y. Ouais, si. On t'appelle dès qu'on a un petit cadavre, ouais, quoi. Ouais, ça marche, ça marche. Et puis arrêtez de surveiller les gens quand ils rentrent chez eux, c'est mal poli. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est attends, ça. Il en manque un, là. Ouais, je sais pas où. Ouais, il est en train de pisser la basse, quoi. Vous avez toujours pas compris qu'il fallait vous écarter mais quand non, j'ouvre ma caisse. On a pas besoin de s'écarter. Putain, il a touché ma caisse, enfoiré. Fois, en fait. Ah, il est en train de taguer. Ah, attendez, je vais appeler à... le commandante. Ouais. Ah, c'est peut-être garé la tulipe. Ouais, je marque le. Ça quartier, va le recrutement quoi. Et tout, vous êtes pas mal, vous ou pas? T'as vu, je marquais le quartier on direct. On est là. Moi, bon, t'as eu comment ton fric là? Ouais, t'inquiète, c'est. Mais y'a ouais, pas t'inquiète, putain, dis-moi le dire, t'inquiète. J'ai vendu les boissons champignons là, d'hier. Ouais, mais voilà, putain, pourquoi tu dis pas merde? Bah ouais, voilà. Pourquoi tu fais le mystérieux là? Tu m'as donné une mission, j'ai vendu et j'ai trouvé un gogo, il m'a donné par contre, c'est du peso, tu vois. J'ai réparé les réparations, tu vois, des deux voitures en peso. T'as réparé les réparations? Ouais, j'ai payé les réparations. Ouais, ok, c'est bien, c'est ouais, bien. Ouais, il y a... comment il s'appelle? Vous avez pas essayé de faire un petit ATM ou quoi, là petite... Non, mais par contre, Kaiden et Five, ils ont fait une superette. Ouais. En course-poursuite et tout. Ouais, il m'a dit que le Mimi les avait arrosés. Ouais. Il va falloir le choper, lui montrer qu'on n'arrose pas le Bloods. Eh, on a croisé un maître loup aussi, qui se baladait avec un autre corbière et qui arrive. Ouais, mais c'est barbare, là, c'est le mec d'hier, là. Il va nous ramener... Ah ouais, il transférait de la cam, je sais pas quoi. Il va ramener du produit pur. Du dosma. Ouais, ouais. Mais non, on était 4. Et quoi, sinon vous avez vu des petits ballasts, des petits whips? Bon. On est 6, en gros, mais ils sont pas là. Ouais. Ouais, je sais pas où ils sont les deux autres. C'est pas grave, on n'a pas tout le temps besoin d'être collés au cul les uns des autres, les gars. Ouais, ouais. Bah j'ai bien travaillé, hein, t'as vu OG, hein. Ouais, direct. Putain, je suis fier de toi, Tchèk. Bah par contre, bon, j'ai pas réussi à avoir le gars de là pour le change, mais bon. Non, en plus, non. Lui a du pognon à lui, du coup. Ouais, on lui doit les 10 poissons champi, après c'est peut-être pas bon de lui changer 10 000 alors qu'on lui en doit à peine 1 000, quoi. Ouais, donc que dalle, en plus je lui dis qu'il nous paye en pesos, tu vois, donc... Comme ça nous évite de taper des dollars à changer en pesos. Ouais, bah on le paiera en pesos, hein. Bon, sinon vous avez croisé des gens ou pas? Moi non. Putain, mais des fois elle tourne pas cette caisse, elle va tout droit. Ouais. C'est la merde. T'es radio ou quoi? Ouais, je sais pas si t'es radio ou quoi, moi j'y suis en tout cas. Ouais, j'y suis moi. Ouais, j'y suis, dis que je vais réparer la caisse. On va au réparateur. Moi ouais, sinon les piqueurs là, ils voulaient nous voir. Ouais, pour faire quoi? Ouais, je sais pas, nous proposer des trucs, après des, je sais pas quoi, des espèces de jeux où on va gagner gros. Des jeux où on va gagner gros? Ouais, des concours dangereux. Ouais, on peut aller les voir. Nous, on est au août, on vous attend. Ok. Je vais réparer la caisse, j'arrive, les gars de Caillot, ils répondent pas. Ah ouais? Ah,
Ah, pourtant, ils nous en doivent une bonne. Ouais, surtout quand je vais lui dire qu'on a refusé 150 000 dollars pour lui livrer son type. Bah ouais. Il a intérêt à proposer un truc de sérieux. Bah, 150 000. Le problème, c'est qu'on peut pas faire le mal à là-bas, tu vois, c'est ça qui est chiant. Ouais. Il a toutes ses gars avec ses calaches, téléphone. Ouais, il y a des gens dans tous les miradors, tout. Bah, ouais, c'est whoop. Ça va, G? Ouais, tranquille, je vais réparer la caisse, j'arrive. Ok. Ouais, c'était là à gauche, hein? Je sais bien, mais j'avais mon téléphone, putain. Ah ouais? Ouais, du coup, je savais pas tourner. Bah, laisse conduire, hein? Non, mais c'est bon, j'ai raccroché, là. Ah, déjà, t'as vu, on est intelligent, hein? Je sais pas qui c'est qui a planté les deux trucs, mais on a trouvé le réparateur, déjà. Bon, Aude. Pour être la cam, là. Faut aller couler de la cam. Après, ouais, ouais, mais faut en trouver déjà à vendre. Putain, c'est moi avec liste de fous. Après, là, ouais. Pareil que je freine plus jusqu'au Aude. Aujourd'hui, c'était poisson champignon, tu vois. Du coup, j'ai... Ça se vend bien, ces merdes, là. Bah, ouais, tu vois, comme je t'ai dit, ouais, c'est 1300 l'unité, tu vois. Ah, t'as eu un petit contact, hein. Bah ouais, direct, toi-même tu sais, on est en galère. Ouais, ouais, t'as raison. Après, c'est bien d'avoir ainsi un peu de peso. Tout va bien, regarde, nickel. Ah ouais, on venait de la réparer, quoi. Putain de merde. Et les autres aussi, ils sont plantés. C'est, on commence à travailler avec les autres du commandant et puis les autres de l'unicorn, tu vois, je me suis dit, ouais, j'ai accepté les peso tout de suite. Ouais, t'as bien raison. Ouais, est-ce que nous on prend pas, c'est les autres qui bouffent, hein, y a pas moyen. De toute façon, il faudrait trouver des petits convois à taper aussi, tu vois, on leur taxe leur putain de cam, on va la revendre. Ouais, c'est ça qu'on a essayé de faire tout à l'heure aussi avec les frangins, là, on tournait autour du port, tout ça, quoi. Et vous avez vu les trucs ou pas? Non, y avait personne. Y'avait personne. Ouais. On a juste chopé là l'espèce de Latinos clandestino là qu'on a croisé hier, la Babar. Il était là après du port, il a essayé de nous suivre, on a retourné le truc, tu vois. On l'a... Comment ça, direct. Il vous suivait, il vous filait le... Ouais, train. Mais on l'a soulevé. On l'a chopé direct. Ouais, on va l'obliger à faire des passages pour nous, cette fois. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. On ramène va le bourrer comme une mule. Ramène une petite quantité, voir la qualité. C'est qui m'a mis un poil là? C'est où le poil? Ah, c'était la pointe de la voiture. Ah, ok. Ramène voir une petite quantité, puis après tu négocieras, on verra avec le Hochi et tout. Parce que c'est un clandestino tacos, quoi. Putain, tu sais que j'en ai... Des... Ah, c'était à gauche. Plus le haut de merde, là. C'était à gauche. Ouais. Ça va, encore à gauche. Et première à gauche. À gauche, toujours à gauche. Ouais. C'est leur mode. Toujours pas vu ces ribs. On est au TK. Ah, moi je suis tout dessus, je suis en train de taguer. Allô? Ouais, so whoop, commandante. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on devait te voir ce soir pour du taf. On devait se voir ce soir pour du taf? Ouais, ou pour du business. Vous avez ramené Mimi hier, vous avez dit qu'il fallait qu'on repasse aujourd'hui. Eh ben, si dans 2 minutes 30 vous êtes à la frontière américaine en vous passez pour des gardes frontières, que vous arrêtez la police et que vous leur cassez les couilles, je double la mise. Ok, vous doublez la mise. Ok, on va venir à la frontière. On arrive. Au cas où on a un truc, on doit aller à la frontière. Il a dit que si on vient à la frontière et qu'on cassait les couilles aux cops, il doublait la mise. Ah ouais? La mise de quoi? Ouais, mais la mise de quoi? On sait même pas de quoi on parle. Vas-y, en fait. Vas-y. On prend une caisse seulement. On prend les deux caisses, faut que les gars ils viennent avec là. Ils sont où? On venait au chop, les gars. On va aller à la frontière. Je suis calibré moi si jamais. Ouais, aussi, ouais, bah, va vite déposer ton calibre, parce que je crois qu'on va plutôt aller faire chier les cops, là. Ouais, du coup, faudrait prévenir l'autre équipe, alors.
Prends un molotov s'il y en a. Parce que là j'ai l'impression on fait nos preuves, mais bon il y a un moment tu vois. Ouais mais tu veux que je fasse quoi? Je lui dis qu'il a se faire enculer, tu vois ce que je veux dire? On est obligé de lui lécher le cul là. Tu veux qu'on fasse quoi, qu'on aille sur son lit là, directement dans les champs et qu'on se fasse allumer la gueule? Bah non. Bah non, justement. Discuter avec lui de ce qu'on va faire. Vous êtes quatre à venir ici, un en plus dans la voiture. Pour poser le gun si jamais, du coup. Qu'on va faire chez les cops. Ah du coup, des prises de Molotov. Vas-y, c'est bien ça. On va faire exposer. On a 2 minutes pour y aller par contre. Allez, dépêchez-vous, on a 2 minutes pour être à la frontière. Ah, il avait l'air de bonne humeur? Je sais pas, il avait l'air d'avoir des emmerdes avec des cops. Il me fait un peu flipper, mon lui. Oh, mais c'est ça, on est obligé de... Tu vois? Ah, il a l'air complètement instable. Dites aux gars qu'on fonce à la frontière, même si on se perd de vue, on se rejoint là-bas. Comme je disais au gars, seule chose que j'ai retenu, c'est qu'il faut pas l'appeler Stéphane. Ouais, il avait pas trop l'air d'aimer. Il a envoyé direct le gars. Ouais, hier il a tiré avec un truc de détresse, je sais pas quoi, de bateau ouais. Là. Oh mais putain, c'est pas possible là. Ouais, j'espère que ça va pas fumer. Putain de merde. On est juste à côté pour aller réparer là, non? Ouais. On verra bien. Putain, elle avance plus. Ah, c'est fragile, ces merdes, hein. Elle fume ou pas, là? Non. Elle est pas loin, à mon avis. Tu sais que c'est qu'elles vont bien, mais elles sont ingérables quand tu dois freiner. Ah ouais, mais ils ont boosté le moteur, mais ils ont pas sans les freins. Ouais, je pense qu'il va falloir... ouais, mais ça va coûter du chien. Putain, une licorne est ouverte, tu vois. T'inquiète, je vais t'envoyer les bonnes cartes là des États-Unis, tu vas être bien avec ça. Putain, elle souffre, et en plus, on a presque pas d'essence. Eh, Audrey, si, comme, comme on a bien. Elle fume, putain, elle fume. Oh là, quel enfer. Eh, Audrey, comme on a bien bossé, tu pourras nous offrir des rips, s'il te plaît. Ouais, j'aimerais bien vous offrir des rips. En plus, faut aller à l'autre bout là. Oh là là. Non, c'est la douane ici. Ah bon? Ils ont pas un mécano sur Caillou? Vas-y, y a pas un dépanneur qui peut venir ici? Si, attends, je vais rappeler. Vas-y, appelle. Sortez les boîtes, on va attendre les cops. Eh, Ozzy? Vas-y, j'ai bossé un peu sur mon air mystérieux, t'en penses quoi? Regarde, si je me mets comme ça, ça le fait. T'as l'air mystérieux là, ouais. T'as vu, ouais. J'ai bien bossé ça? Ouais, t'as bien bossé, ouais. Je vais la garder, je crois, ouais. Et moi, j'ai bien bossé sur mon air mystérieux, regarde. Mais t'es toujours mystérieux, toi. Ah ouais, t'es mystérieux. Je vais vous appeler Ray et Mystérieux. Ray Mystérieux, Mystérieux. Ouais, d'accord. Mais je sais pas d'où ils viennent, ils viennent de Caillot ou ils viennent de l'autre côté les flics, c'est la douane qui m'a dit, la douane de machin. Et d'ailleurs Oji. Ouais. Les cops ils vont venir, ils vont croire qu'on est des réparateurs parce que nous on leur a remis les portes bien droites avec la batte tout à l'heure. Ouais c'est ça, je sais pas de quel côté il veut qu'on soit donc on va tous se mettre là. Ouais mais faudra peut-être penser. Mettez plutôt les caisses en V, vous voyez si on doit bouger là. Par contre, vous avez eu un réparateur ou pas? Ouais, j'arrive. Ça va, Perrinque?
Il m'a dit dans 5-6 minutes. 5-6 minutes? Quelconque a encore pété la caisse. Ouais, ça va tranquille, chaudement, mais ça va. Enfin, dans le bureau en tout cas. Tout le reste de la baraque, c'est bien, mais. Mon bureau avec les écrans et tout, c'est mansardé. Attends qu'on est là, je propose qu'on fasse un petit baseball. Hein. Donc la première zone, on va dire qu'elle est ici. Et la deuxième zone, elle va être un peu plus. Et tu prêtes ta tête contre Campbell, ça? Bah ça va, on fait comme on a fait, c'est d'habitude, on trouve une vieille canette, un truc comme ça, et on fait avec ça. Je me disais que ça te désintéresse pas. Attends, je regarde. C'est quoi ton... Non, c'est bon, c'est bon. Okay. On va rester là, c'est tout? Je sais pas. Je sais pas du tout, hein. Il m'a dit de venir à la frontière et de faire chier les cops qu'elle est passée. Ouais, mais la frontière, laquelle frontière? Ouais, Celle-ci. Si c'était l'autre frontière, bah c'était de chez lui. Tu vois, il s'en fout, il les arrose. Tu crois que je peux taguer Blood quelque part? Ouais, vas-y. Ah, ça marche sur le sol? Non, faut que tu forces sur la barrière. J'ai pas compris, je sais pas, il m'a dit sur la frontière dans 10 minutes, fichier les cops, fout la merde. Et que notre business serait doublé. Mais on sait toujours pas quel est notre business. Il est obligé de faire ça aveuglément. Faut alors qu'il nous propose quelque chose, parce qu'hier on a refusé 150 000 dollars pour son gars là. Et si aujourd'hui on se fout qu'on la merde, il a intérêt à nous proposer un truc intéressant, je vais une calash. Ils sont bas les couilles de la calache, je préfère de la cam pour se faire battre une. Je veux une calache. Trois calaches. Avec la calache, tu peux faire les banques. Derrière. C'est derrière. Ciao, tu vois. Attendez, on fait du street, les mecs. Ouais, contrôle douanier, là. Présentez vos papiers, sortez du véhicule, gentiment. Nous avons blessé. Ouais, c'est très dommage. Vous êtes prêts à payer combien pour passer? Ah, j'ai mal, laissez-nous passer. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui est arrivé, là? Mais j'ai fait tirer dessus par le commandant. Mais n'ayez pas peur, reculez pas. Laissez-nous passer, il va mourir, il va pas nous mettre en sang. Vous payez combien pour passer là? Vous aimez le sang chaud? Vous payez combien? Mais arrêtez de reculer là, putain! Si tu recules, comment veux-tu que je t'encule au bout d'un moment? Mais écrasez-les, mon dieu! On va pas vous aider! Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai 424$! Putain, donc c'est la vie de ton collègue qui voit ça. Qu'est-ce que vous foutez à walper, putain? Je me vide de mon sang, dépêchez-vous! De l'autre côté! De l'autre côté, allez! Oh putain! Il a éclaté un gars de chez nous! T'as éclaté un gars de chez nous, espèce d'enfoiré! Tu l'as écrasé! Vous l'avez écrasé! Attention, hein! Attention! Ne tabassez pas ma tête! Écartez-vous, je vais tirer! Défoncez-les, ils sont en train de nous écraser là! Bon, ils tirent! Ah putain, ils tirent! Tire, on se casse! Cagé, ces manifestants! Ah! Ouh, ils sont complètement fous! Ils ont l'eau contre nos voitures! Qu'est-ce qu'ils ont là, ce soir? Attention! Ah putain de merde! Ils sont en train de tirer! Ah non, mais. Non, pas la bagnole! Mais pas la bagnole! Faut se casser, on se casse! Si vous nous embarquez vite! Faut quoi, les gars? T'as dit, tu me fais chier à chaque fois, tu me donnes la voiture qui fume! Ouais. Vas-y, monte! On a été engagé. Allez, j'ai pas longtemps. Allez, monte. Putain, ils sont en train de l'arrêter. Oh, laisse-le partir avec ses collègues, lui. Allez, caisse. Putain, dépêche-toi. Monte dans la caisse, allez, putain. Faites-lui un garrot de l'autre côté, dans le doute. Bah oui, là. Mais, pourquoi il... Mais qu'est-ce qu'il fait? Et ils ont fait quoi, là? Mais, oh, venez. Ah oui, il y a Carlos. Venez. Carlos. Ah ouais. C'est avec quoi? Ça ou pas, non? On va laisser remettre derrière la tulipe là pour les bloquer un petit peu. Je crois qu'ils en ont sopé un, non? Non, mais c'est bon, il en a tout le monde là. Ça fait tout bizarre leur truc électrique là. T'y allais, non? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais m'arrêtez! Ah putain! Ah
Comment ça là? Cette bavure, cette bavure, cette bavure. Vous êtes en panne. On est en panne, putain, on est en panne, c'est les bavures. On est en panne là. On espère que ça ne vous arrive pas au lit, hein. Ouais, non, putain, non. Comment ça, il est en train d'insulter mon sbob là? Putain, il insulte mon sbob. C'est pas compris sa blague. Allez, on s'arrache. Mais je comprends pas. Ah putain, le poteau, merde. Ah, il était pas là avant aussi. Bon, je vous ai avancé un petit peu. On dit, faut que je le fasse réparer la job. On va faire réparer. Oh, et va où lui? Ah ouais, ouais, voilà. Ouais. Ah ouais, restez, restez. Vous avez pas compris à quoi ça a servi ce qu'on a fait? Aucune idée. Alors qu'un seul est couru. Ah, pour l'instant, on est full. On peut être que 10 in-game, coup, tu vois, donc on est très HRP ouais, déjà. Mais il a doublé la mise. Il a dit qu'il doublait la mise. Après 2x0 ça fait quand même. Ouais, ça fait la. Ça fait la tête à bout de ça. Ouais, ouais, c'est. Ouais. Ah, j'avais pas vu Chuck derrière en fait. Je sais pas pourquoi il traînait autant. Bah c'est Chuck. Et ils ont failli arrêter un frère à nous. Putain, ils les ont tirés dessus ces enfoirés. Bah ouais, c'est pour ça, ils restaient au milieu de la route, ils tiraient. Ah, ils ont peut-être cru qu'on était des SDF et qu'on allait demander de l'argent. C'était là. Putain, j'ai la tête dans le cul ce soir. Monsieur agent de passe libère, je te whisk ta casse. Ah, du coup, on va le voir le président. Présidenté. Là, il a intérêt à me recevoir là, on a failli se faire tuer. Ah, bah là, c'est bon, il y a un moment, il va arrêter de nous missionner et bon, on va discuter. Quoi. Angie, là, ta caisse, elle est décédée. Bon vas-y, on va les rejoindre, j'ai envoyé une pause au réparateur, il a intérêt de venir tout de suite. On va faire venir un réparateur. Vous êtes où exactement là? Ils sont là. Ah, dommage, pas loin. Envoyé par message. C'est moi, ouais, glisse de plus en plus les tulipes là ce soir. Non, c'est toi, je pense que tu qui a plus l'habitude de conduire ça. Tu les as bien sucés, OG, quand même. Hein. Ouais. Putain, ils nous ont canardés, ça va pas se passer comme ça là. Ils ont failli embarquer Five, putain. Ouais, c'était quoi le plan là? On devait foutre la merde à la frontière, je sais pas trop pourquoi. Allez. Ça doublait notre mise et notre business avec Caio, mais là il a intérêt à me donner quelque chose de concret. Problème, c'est qu'on est obligé de sucer la canne, si on l'envoie péter, on a plus de bise là-bas. Ça me fait chier déjà. Vous aimez pas les latinos? Oh, c'est bon, y'en a un qui arrive là. Pas confiance en latino. Il hésite, ouais, il va faire son boulot ou quoi lui? Comment ça il hésite? Ah, je sais pas, l'autre. Ouais, tu ramènes ton cul tout de suite en fait. Il a pas apprécié, je le paye en peso tout à l'heure. Quoi, tu l'as payé en pesos? Bah ouais. Vas-y, je vais payer 500 pesos les deux réparations, c'est bien. Putain, il me répond pas cet enfoiré de commandante. Attends, là. C'est comment le texte encore? Ah oui, lève. Putain, on a failli se faire fumer pour votre plan là. Quoi? Ouais, ils nous ont tiré dessus, ils ont enculé les cops là. Va falloir qu'on fasse des trucs sur eux. Vous êtes où là? Là, on est près du réparateur, on a une caisse en rade. On est près du bif. Vous avez dit quoi? Je vous entends pas bien. De quoi? Vous avez dit quoi? Je vous entends pas bien au téléphone là. Ramenez un caillot. Ok, on arrive, on répare la caisse, on arrive. Plus de convainquisation et plus d'extériorité, ouais. Plus d'extériorité. Attends, je vais en condition. Ouais. Attends, vas-y. Putain, carrément, tu le braques là. Non, bah c'est pour s'entraîner le petit. Lève. Ça va, il lève bien. C'est comme ça? Lève les bras, mais j'ai déjà les bras. Allez, l'aventure.
Ah ouais. Ouais, c'est bon, presque ouais. Ça. C'est ouais. Presque ça, regarde. Le bleu. Ferme bien ta gueule. Bon allez, faut réparer la caisse ici. Celle-ci, ouais. C'est ici. C'est pas celle-ci, derrière. Ah putain, bah trop tard les gars, moi je vous répare ça à la gratos. Ok, ok, voilà, c'est parfait. Petit plaisir, voilà, comme ça. J'aime bien réparer les voitures. Putain, c'est les soldes, ça c'est la classe. Hop, voilà. Je sais pas, c'est le radiateur là, il a pété un câble. Et à ouais. Tout hasard, en fait, t'as pas réparé des rips Quoi oh, putain. Putain, c'est Cuba qui attaque. Ça pète ce soir. T'as pas croisé des ribs ou réparé des ribs dans le coin ou c'est quoi dans le... Des ribs ouais, des ribs, ouais. Des petits bleus des... dégueulasses. Ouais, trucs qui ressemblent pas à grand chose là. Des mecs en bleu, non, ça me dit rien. Putain. Oh, putain mais ils se cassent où ah, je suis sûr, on leur a dit qu'on était en ville là, ils se sont dit ok, on sort plus jamais de chez nous. Ils sont planqués devant le Atari 64. Bah, gros bleu par les flics, y'a qui? Combien je te dois? Ouais, c'est pas des bleus, c'est des afros là qui traînent un peu à la plage, la Vespucci. Ouais, wow. Ah, ils sont en bleu maintenant, ils étaient pas en gris à la base? Ouais, non, je sais pas. Si, y'a des gris aussi. Tu sais, y'a un peu toutes okay. Sortes de couleurs. C'est l'arc-en-ciel. Ouais. Mais y'a que le rouge qui domine. Eh, hey, ouais, Boots Gang, ma gueule. Combien je te dois? 150 du coup, stop. Boots Gang, what's up? C'est quoi ton numéro, chitif? 9. C'est fétif, fétif. Chitif, ça veut rien dire. Est-ce qu'on est ses riffs? Voilà, parfait. C'est carré, en pacté. Bon, allez. Vas-y, bon, retard, merci, boy, bon, sur whoop. Vas-y, bisous, ma gueule. Tu roulais pas, les gars. On va faire le plein, on va, Caillou. On va faire le plein, puis si tu veux, je Tiens, si vous avez un peu dosé, je vous laisse mettre le plein. Alors, Audi, tout à l'heure, j'ai pensé à un truc génial. Ouais. Tu me fais confiance, hein. Depuis le temps qu'on se connaît, tout ça, on est. Enfin, tu vois. Ouais, tu me fais confiance. Va au but. J'ai pensé à un putain de projet de fou qui pourrait vraiment servir à tout le hood, qui pourrait même nous sauver la vie, hein. Après. Tu sais, il faudrait un petit financement. Putain, va au but si tu veux de l'oseille. Bah, je me disais, si on mettait un putain de gros turbo sur ma caisse, tout ça, et qu'on faisait un putain de tuning dessus, que tu vois, que je puisse soulever des gonzesses, enfin, qu'elle soit vachement. Ouais, le seul turbo que tu vas avoir, c'est tout le haut qui va te passer dans le cul, qui va gicler sur la gueule. Ah, ouais, tu vas travailler, ouais. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais, ça. Le jour où t'auras vendu 2000 pochons, peut-être que là... Ouais, là, on en reparlera. Tu sais combien ça coûte, putain, turbo, c'est plus de 100 000 $. Oh. Ouais, j'ai vu. Ouais. Tu sais combien on a au Oud, on a 15 000 $. Voilà. On y est presque, quoi. On y est presque, ouais. Mais qu'était, les gars, aller faire avec des petites caisses, aller vendre des calendriers du Oud. Eh, par contre, tu verrais la bagnole de Five, elle est trop belle. Moi, je suis pas trop saut, parce que dans le calendrier du Oud, ils m'ont complètement raté. Ouais, il paraît qu'elle est bien ta caisse, Five. Fait des ravages apparemment dans le hood. Ouais, bah, qui font attention à ce petit classage. Je plante le premier qui va planter dans le lit. Ouais, un plantage pour un planté, ouais, c'est carré. Va falloir que j'appelle un relais calme aussi, je suis trop nerveux, putain. Il me faut de la weed. Oh, ça se dirait pas non aussi, hein. Ah, mais si c'est pas passé, c'est pas... Bah, y'a pas que moi. Ah, bordel, j'en prends plus. Qu'on est pilote. Faudrait un camion réparation qui nous suit, en fait. On va tous acheter des BMX. Ouais, j'avoue, ça... Ce serait plus drôle, quoi. Bah non, toi t'aurais une trottinette. On laissera les petits trous. Moi je crois qu'il vit préfère un tricycle. Moi je veux une trottinette 6 roues, moi. Ah, ils nous attendent, hein, parce que là c'est... Ouais, il m'a dit de venir à Caillou. Moi il me fait un peu peur.
Ouais, 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 c'est vrai qu'à tout moment on peut se faire canner là-bas, on se fait jeter dans la mer, les bullies connus. Ah, c'est-à-dire, c'est sûr, il peut péter les plombs, le mec là-bas, commandant un truc là. Ah, sans raison, il peut te mettre une balle d'AK dans la tête, tu comprends rien, c'est sûr. Ouais, surtout l'appelle jamais Stéphane. Ouais, non, c'est pas le bon plan ça. Vas-y, on arrive tous, en fait, ils sont bons, Stéphane. Putain, je crois que c'est pas le bon plan pour commencer le business. Ah, ça dépend, tu crois qu'il a du mot ? Ouais, non, je pense pas. Vas-y, je m'en fous de la douane, je fonce. Ouais, vas-y. Vas-y, Audi. Je m'arrête pas. Jusqu'à là. Ah, il avait anticipé le truc. Mais. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce qu'il fout à poil? Pourquoi il sent le calbar? Ah, so whoop. Ah bon, par monsieur, vous allez bien. Ouais, 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 ouais. On a rendez-vous avec El Comandante. Vous avez rendez-vous? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que vous foutez à Walpé là, les gars? On prend des toleilles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que vous avez bonne mine. De la pelle. Nous, tu, on veut bronder comme vous. Ah ouais, vous avez raison. On dit toujours qu'il faut joindre les huîtres à l'agréable. Voilà, exactement. Ouais, ouais. C'est vrai. T'es vous les Bloods? Ouais, c'est nous les Bloods, ouais. Monsieur Commandante, des noirs habillés en roude qui ont un rendez-vous avec vous apparemment. Tamart, on arrive. Bon, faut que vous nous transportiez qu'à la villa, t'es parti. Ouais, je crois qu'on a de la place. On va monter dans le coffre, on prend pas de place. Plus que. Ah, nous on est derrière. Ça a l'air sympathique cette voiture. Il y a une place dans chaque caisse, logiquement. On a prévu, nous, également. Eh, vous êtes sûr? Tu me touches pas là, t'as pas tout. Vous êtes chinois? Ah non, tu es pas chinois, moi. C'est quoi ton blaze? Laisse-moi deviner, laisse-moi deviner. Japonais. Pas japonais. Attends, taïwanais. Pas taïwanais. Ah putain. Putain de merde. C'est compliqué là. Vietnamien. Pas ouais, du c'est... tout, pas vietnamien. Autrichien. Samouraï. Tu es pas samouraï ni autrichien. Encore. Putain, on est pas loin, mon avis, on est pas loin. Presque. Hong Kong. T'es à côté. T'es un Viet Cong? Non, aucun des deux. T'as fait la guerre du Vietnam? Non, t'es pas fait la guerre du Vietnam. T'as fait une guerre, mais pas du Vietnam, mais t'as retombé. Attends, où est un bon indice? T'as fait la guerre. Philippines, quoi, les Philippines. Non, pas les Philippines. Putain. Coréen. T'as fait quelle guerre? Coréen, t'es ta. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Bien doué. C'est bien par là. Ouais, t'es par là tout droit. C'est quoi la guerre que t'as fait? Bah, la guerre de Corée. Ah ouais. Ouais, regarde, ça se voit, il a encore envie de faire la guerre, là. Ah, il met le feu à Lille. C'est qui a fait ça, là? Je sais pas qui. C'est moi, mais... Ouais, c'est une allergie au pollen, ça me fait toujours ça, quand même. Ah, pollen, t'es dans deux. Ça le démangeait, c'est tout. T'es dans deux roues. Et c'est quoi ton blast, toi, le Coréen? Moi, t'es Lee Sung-min. Lee Sung-min. Bah, t'es ta. Ok, c'est déjà mal, moi. Entendez, Damal. C'est vrai d'entendre parler de vous parce que tout à l'heure, apparemment, vous faisiez une cour poursuite. Waouh, non, on aime bien emmerder les cops. Bah, Teta, et du coup, t'étais dans la voiture du commandant T, t'étais en scooter, il m'a dit vas-y, monte. Non, on s'est fait tirer dessus par les cops. Ah, t'as entendu. Ah, tu noterais sur combien la cour poursuite? La baraque! Cour poursuite à 8h10. Ah, ouais, ça c'est. C'est pas mal. Parce qu'il y a pas eu de mort. On peut faire mieux, hein. On était pas au max. Hein. Attends, Marthe, hâte de voir ta. Ah ouais, t'inquiète. Ça doit être magnifique quand la lune se lève au-dessus de cette villa. On sent où est le pognon, hein. Ah, t'es magnifique, t'es vrai. Hein. Oh, c'est incroyable. Ça va, Ryu. Putain, c'était vrai. Ouais, par contre, attends, je vérifie, il a pas laissé de traces là sur la banquette là. Ouais, ça va, tranquille. Ah non, on a pas de traces. Hein. Vous avez déjà niqué le capot. Alors, c'est par où là? C'est à la Bura, c'est le forteresse. Ouais, c'est... fais gaffe. Attends, passe pas devant, ça se trouve c'est un piège. Je parais qu'il y a des petits nains qui courent à l'intérieur. Il y a du temps, t'es normal, t'es les animaux, ils les découpent dans la villa, t'es pour tard. Et Audi, il veut une porte comme ça, Oud. Ouah, on dirait un parc d'attractions. Ouah, c'est quoi ça, c'est... C'est Cubaland, là, c'est ça, c'est comme Disneyland, mais pour les Cubains, c'est ça. Ah ouais, exactement, vous avez vu comment t'es magnifique, le communisme. Oh ouais, c'est quoi, c'est ça, bon. C'est... On est habitué à se faire enculer par le capitalisme et de la merde.
Ah, du ouais, coup, la dernière fois, on n'avait pas eu nos mojitos. Tu crois qu'il y a moyen de négocier? Ouais. Les bombes à Latina sont là ou quoi? Ah, peut-être pas. Faut voir. C'est le commandant T qui les commande. Et comment vous arrivez à avoir une herbe aussi verte avec une chaleur comme ça? Je suis un peu déçu. Hein. Ah ouais. La rodade, il y a des personnes qui t'occupent du jardin. Hein. Ah, il y a des arroseurs. Ah, moi je vois que ça s'arrose. Hein. Tiens, je prends une Valstar, il y a de la Valstar. Bien sûr. Ouais, c'est gigantesque. Ah, t'es vraiment grand, mais ne t'es pas où il est, ne vais pas vous mentir. Ah, on tourne en rond en fait. Putain, j'ai envie de piquer une tête là. Bah, de vous amener à la piscine pour vous reposer le temps qu'il arrive. Ah, puis on peut profiter. Ah, bah. Bien sûr, vous pouvez aller bien. Vas-y, les gars, on va piquer une tête là. Vas-y, moi, c'est ça. Je sais pas nager. Bah, tu te mets sur les dettes caliers tant que t'as pied, et après tu te dettes comme un. Et tu nates comme un petit chien avec les quatre pattes dans l'eau. Ah ouais, tu crois que je suis un chien, moi. Tu crois que tu m'as pris pour une tête de chien, ouais. Bah non, t'apprends à nader, tu veux pas de l'aide. Putain, j'ai mouillé ma casquette. Il est ronton. Ah ouais. Moi, tant que je mouille pas mon blanc, c'est bon. Sinon, vous venez faire quoi, ici? On va des scooters avec le commandant, tu vois. Ouais, je sais pas, écoute, on nous a promis un du service avec des mojitos, on va être trop bien, hein. Et on peut habiter ici, tu crois? Un gars, le petit cigare dans la piscine. Ah, j'adore l'hospitalité cubaine. Ah, putain, hey, moi, je veux venir ici tous les jours. Ouais, carrément. Ça rapporte, ça. T'as froid que tu mets une petite écharpe? Ouais, c'est mon séparzamètre celle-là, j'y tiens trop. Tu vois, c'est un peu mon gris-gris, quoi. Si je l'enlève, je vais mourir dans la seconde. Putain, quoi. Le commandant T, il arrive comme un ninja. Ah ouais, il arrive, ouais. Ça ah ouais. Ouais, je sais pas, les coffres là, on a plus. Eh, aussi, un jour, on habitera ici. Moi, t'es fou, moi, je suis bien dans mon quartier. Ah ouais, mais on habitera toujours là-bas, ouais. Bah tu vois, ah, attends, je crois qu'il est là. Ouais, salut, ouais, c'est vous. C'est comme ça qu'on dit toujours. Ah, j'adore l'hospitalité cubaine. Parce que là, c'est pas des Cubains qui vous ont accueilli, hein. Ouais, on a cherché, on a joué au jeu de localisation, ah ouais, non, là. Ouais. On a fini par trouver chez les Coréens. Faut savoir que ces personnes coréennes disposent également d'un morceau de l'île, hein. C'est vrai, ouais. Un morceau de douane aussi. Vous avez un pays dans le pays? Une enclave, ils appellent ça une enclave politique. Une enclave. Ouais, c'est enclave. Trop bien. Et je leur ai dit, hein, si vous butez, ils gagnaient encore 8 mètres carrés. Oh putain. Ah ouais Oh, carrément, vous n'avez pas buté, c'est bon ça. Et bah, du coup, on n'a pas tué. Ah, c'est un bon prix, hein. Ouais, du coup, on peut devenir ambassadeur de votre enclave. Ah ouais. T'es potible. Peut-être que t'as peut-être potible, faudrait qu'on voit ensemble. Ouais, on verra ça ensemble. Comme ça, vous devrez même le morteau douane pour pâter tranquillement. Ouais, c'est vrai, c'est quoi, c'est les Ming Su et Kyo, c'est ça? Ah non, Li Tong Min et. Li Tong Min, putain, c'est à l'envers. Tong Ok. So, vous c'est commandant T, Ching, comment ça va? Moi, c'est comme ça que je l'ai appelé. Ah ouais, Ching. Attends, comment t'as? Tu m'appelles Ching, commandant T? Bah, sur la première fois, après, moi, tu sais, les téléphones, je comprends pas pour changer le nom, les trucs comme ça, là, c'est compliqué, hein. Ching. Ouais. Je t'avoue que je vais t'appeler Lee, je crois, c'est tout. T'es pour la couverture. Ah, bien sûr, ouais. pour la couverture. Ah, vous êtes un peu coréen aussi, commandant T, je vois. Oh, non, mais c'est vrai qu'à force de les côtoyer, parce que, bah, forcément, ils ont quand même un pays dans le pays, donc. Tous les matins, on boit le café. Je toque avec les douaniers. Ils parlent aux douaniers. Puis moi, je leur dis alors aujourd'hui, comment ça va dans les 6 mètres carrés? Puis je les vois sur sa chaise. Puis on se partage un petit verre. Puis ensuite, on boit un autre petit verre. Puis ensuite, j'ai mon téléphone qui sonne. Puis ça me casse les couilles. Et puis un autre petit verre. Et puis ça raccroche. Il ouais. y a moyen qu'on visite votre pays? Ouais, oh, c'est vrai. En Corée, Audi. Attends, va être un peu compliqué. Et c'est comment pour votre partie de l'île? Il y a des petits bâtons là qui montent de où ça va? Non, pas du tout. T'es libre de circulation depuis le en fait, t'es un hangar. Ouais mais c'est déjà un début, putain, vous avez une putain de. C'est vrai, t'es pas mal. On a mis un drapeau dessus. Ouais, c'est un peu comme nous, tu vois. Notre hood directement à Los Santos, nous on trouve ça que c'est indépendant, tu vois, c'est chez nous. On n'a rien à voir avec c'est les États-Unis. C'est en dehors de la société, quoi. C'est la société dans la société. On a tous pissé aux quatre coins.
Ouais. D'ailleurs, j'ai appris que y a vous des les plus habillés en rouge et qu'il y avait aussi des cryptes habillés en bleu. Oh, oh putain, prononce pas ça. Ah merde, putain, ouais. C'est les rips, les rips. Faut jamais prononcer le C. Il se casse bien, celui-là, en tout cas, il se casse bien. C'était pas à Witton, apparemment. Oh, aussi les polos, apparemment, ils habitent à Vetpouti. Ouais, on a été tagué leur quartier de merde. On attend la réponse, mais ils se cachent, ils ont peur, tu vois. On a même pissé sur leur mur. Faut faire attention parce qu'il y a les bikers qui habitent du temps fat. Ouais, mais c'est... les gars à moto, nous, en général, on les dégage, on n'aime pas ça. Couleur moustache. Il y a 3 clubs de bikers à l'Otantot. Il y en a 2, vous pouvez, mais te la faut pas, ils sont gentils. Ouais, c'est des bons travailleurs dans le business. Ouais, c'est des gentils toutous. Ouais, non, pas des dents toutous, mais t'es pas des dents culées. Hein. T'es des dents à qui tu peux faire confiance. Hein. Des dents. Ah ouais. Ils ont des dents. Et ils ont combien de dents, ouais? Comment t'as, ils ont des dents? Ouais, t'as dit, c'est des c'est dents. C'est des dents à qui on peut faire confiance. Non, ils ont pas des dents à qui on peut faire confiance. Ils ont des dents, mais t'es des dents. Ah, c'est des dents, des dents. Mais combien de dents on peut faire confiance? Parce que si, tu vois, si c'est qu'une dent sur les 32, tu vois. Ouais, j'avoue, s'il y a une pouquille dans le tas, c'est. Ah ouais, t'as toutes les dents, mais ils ont des dents, mais t'es des dents, t'es. Ouais, putain, j'ai rien pigé. Ouais, carrément, mec. Ouah, ouais, mec. Vous entendez bien avec les balazes, vous? Quoi? Que dalle. On s'entend que personne, nous. On crache sur tout le monde. Chez moi, là, petit enculé, là. C'est qui a craché, là? Ouais, moi, j'aime pas ça, les balazes. Ouais, ça l'irrite. Directement, il a la salive acide. Ce qui m'irrite, c'est qu'on vienne pisser chez moi, hein. Mais on a pas pissé, il a craché, là, c'est tout. C'est pareil, hein. Pas la calache, pas la calache. Non. Les balazes, c'est pas ceux sur qui on a roulé hier. Est-ce que j'ai aussi ouais, disons sérieux, que hein. Nous, à Los Santos, on vole en solitaire. Tout ce qu'on peut taper, on tape, on en a rien à foutre, en gros. On est un genre des chiens qui réfléchissent pas beaucoup. Oui, ça j'avais remarqué, hein. Mais on est efficace. Ouais, comme vous pouvez le remarquer aussi, ouais. Comme on a peur de rien, on se soucie de rien. Oh putain, c'est beau, hein, tu devrais écrire un bouquin. Ouais, c'est vrai, je vais écrire putain de notes, mais tu sais pas écrire. Et toi non plus, putain de merde, ben voilà. Wow. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à écrire un livre. Vas-y. Ah, il note. C'est quoi je disais déjà? On est des chiens qui... Par contre, je sais pas écrire. Putain, j'ai oublié. On est des chiens qui soucient de rien et on... Moi c'est super bon pour faire semblant, vas-y. On a le mort aux dents, pour un rêve de rodin. Ah, ça c'est joli, note. Le mort aux dents? Le mort aux dents. Mais je comprends pas, les balas, c'est des noirs, non? Ouais, et alors? Ouais, et alors? On s'en fout. C'est on va dire qu'en ce moment, en Amérique, vous serrez les couilles, quoi, un peu, hein. Ouais, pas du tout. Des traites. Nous, on considère notre route comme un état indépendant. J'ai une question, vous, les capitalistes. Pourquoi vous battez entre vous? On n'est pas capitalistes, nous. Ouais, on pense qu'à nous, tu vois. On est unijambistes. Non, on est nombrilistes, nous. Bah, justement, vous pensez qu'à vous, donc vous êtes capitalistes. Non, pas du tout. On aurait tout un quartier, tu vois. Bah, capitaliste, c'est pensé qu'à soi, hein. Ça m'est rien compris la politique, moi. Nous, on pense qu'à notre... En tout cas, on travaille pas avec ce capitaliste. Nous, ce qui est important, c'est que les petits du quartier, avec les mamas, tout ils soient bien, tu vois. Ouais, les petits sur les toits et compagnie, on les entraîne. Bon. Voilà, on est revenu parler un peu business, parce qu'on a pu risquer notre vie 2 jours de suite. Vous savez que ces enfoirés de cops, ils nous ont proposé 150 000 dollars pour vous balancer et relâcher le cops. On l'a refusé. On est fidèles. Mais quel cops? Bah, le Mimi. Mais il n'était pas pris en otage, le Mimi. Bah si, on vous l'a chopé, on vous l'a amené. On l'a chopé, ah oui, c'est vrai, hier, oui. Ouais. Oui, alors bon... Je trouve que le capitaine n'était pas exempt de tout... Il était dans la confidence, vous craignez pas grand-chose, hein. Bah non, puisque là, en fait, je vous explique. On a d'abord chopé un flic. On l'a fait venir à l'autre flic. On a chopé le capitaine, on a fait venir Mimi. En fait, on a fait 4 kidnappings comme ça, mais pas 10 minutes. Mais bravo, tu veux une médaille, t'en as déjà un. Ouais, c'est vrai. La porte, hein. Ah, mais j'adore. Je fais une collection. Yeah. Splat. Splat. Oh, super. Le problème que j'ai, moi, actuellement, de... C'est un problème de téléphone. Hein. Oui, allô. Oui. Ouais, l'extérieur, il se coupe beaucoup, hein, commandant. En tout cas, c'est pas un accent latino que j'ai l'habitude d'entendre. Ouais, c'est ça, c'est bizarre, ouais. Ouais. Moi, je dis que ça marchera jamais, cette histoire de téléphone. Tu verras, dans 2 ans, on n'en parle plus. Ouais, je pense aussi que ça marchera pas. Ouais, ça casse trop les couilles, ce téléphone portable, plus personne n'en voudra. Ouais, puis t'as pas remarqué, ça te chauffe la couille gauche, là. T'as remarqué trop de bruit, t'as fait... On est plus libre, en plus. Et toi aussi, t'as la couille gauche qui te gratte quand tu te réveilles. Ah ouais, depuis que j'ai de... Putain, moi, je suis tout excès, hein. Tu vois, avant, quand on avait une gonzesse, on pouvait se barrer, on était tranquille, là, elle nous appelle tout le temps. Quand les dents ils vont découvrir que la TIA ils découpent les téléphones, ils comment ça, tu crois? Putain, les flics, ils écoutent les téléphones. À la TIA ils découpent les téléphones, il y aura de tout. Juste là,
tous les matins, juste vous, là, hein. Regardez comme je suis rouge là, sur entre ma cuisse et ma couille là. Ah, ça c'est regardez, le téléphone, c'est le téléphone. Tu vois, moi c'est dit, elle va tomber un jour. Hein. Ah ouais, bien de le ouais mais cul, elle va voir le doc, hein, va voir le chaman. Ah ouais, t'es tout rouge là, c'est les ondes, ça marchera pas cette histoire de téléphone. Je te dis moi. Vous êtes d'accord avec nous, commandant, t'es dans 3 ans, on n'entend plus parler de ce téléphone, c'est de la merde. Ah non, c'est de la merde. Je sais pas, moi, ça m'intéresse pas. Ça marchera jamais. Oui, je pense aussi, oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez comme business à nous offrir, la juteuse? Vous avez dit que vous doublez la mise en plus ce soir. Bah alors, deux choses, hein. Vous avez le choix, hein. Ou vous prenez, vous me dites, j'ai envie de régir un champ ici. Ouais. Parce qu'actuellement, j'ai plus personne pour la cocaïne. Oh putain, la coke, ça nous parle, ça. Ah ouais, c'est les ça. Les gars, vous en pensez quoi de la coke, la blanche, là? Ah mais, carrément, c'est carrément. Ce qu'on disait, tous les petits bourses qu'on a sur Vinewood, ouais, là, tous les petits bourses, les craquettes de Vinewood, là. Ouais, et puis sinon. Ah bah sinon, je te donne 50 000 pesos. Ouais, non, la coque, ah ouais, la coque. On va régir le truc. Ça veut dire que c'est toi, hein. Tout, peu importe ce qui se passe, de bien ou de mal ou quoi que ce soit, ça te retombe sur la gueule, hein. Ok, ok, donc ouais. Personne n'y touche. Et si par exemple, je vois des gars ici qui sont en train de récolter sur votre champ, je peux les dessouiller ou si je dois vous appeler? Oh, rien ici. Ok, donc ouais. Je peux rien faire, j'attends qu'ils repartent les tapes, ces chiens. Exactement. Ou alors okay. Tu vas dans nos 10 mètres carrés, tu nous donnes ta 1 000 $ et on t'autorise. Et en gros, tout ce que okay. Tu tapes, hein, qui est pas déclaré auprès de toi, de toute façon, tu me files 10%. Hein. Ok, très bien. Tout, n'importe quelle drogue, ça, ou juste la coke. Juste la coke, hein. Ah, parce que je suis prêt à taper n'importe quoi, moi. Ouais. Et je vous file 10% de tout. Ouais. Non, fais que la coke, t'inquiète pas. Ok. Ah, bah c'est très bien. Je vais prendre ton numéro, toi, Lee. Ça marche pas du tout. Comme ça, je viendrai à ton ambassade si je vois des petits guignols. Ah, tu perds. Ah ouais, moi je vole en Corée. Alors t'es le tank, toi 39, 58. Toi 39, 58. Ouais, c'est Lee, L-I, c'est ça. L-E-E. Ok. Mais c'est pas Lee, ça, alors c'est Lee. Bah t'es Lee. 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 Ok. Lee comme Bruce Lee. J'avais un ami coréen, il s'appelait Bu. T'appelais Bu? Ouais. De comment? Bu. Bucolique? Bu. C'est tout. T'as compris la blague? Ouais, bucolique. Ouais, c'est drôle. Ça, oui, c'est la suite logique, hein. Ouais, c'est ça. Et ils sont où vos champs de coca, là? Les champs de coca, ils sont au niveau du garage. Il y a un petit champ à côté du vendeur de vêtements, là. Le flyer. Ok, et ça se passe comment pour le transport, etc., avec ces putains de cops qui seraient tout à la droite? Explique-lui, Ching. Alors, je vais t'expliquer. Quand tu ramènes du coup des feuilles de cocaïne pour éviter de te faire toper à la douane, il faut que tu prennes environ 40-30 feuilles de tigare que tu mets dans ton camion. Comme ça, t'as va bien caté et la douane, ils vont rien voir. Ah ouais, je vois le délire, je fais des petites boîtes avec des feuilles de coca et je fous la coca en dessous. T'es exactement. Ouais. Au moins, t'es bien caté et t'auras pas de problème. Et je peux les trouver où ces feuilles de coca? De cigare. Ah, t'es quand tu crois de les. Tu te crois des personnes armées, des pare-balles. Ah, moi, ça prend un billard. Ouais, t'es ta tenue militaire, faut que tu demandes à eux. Ils ont un numéro. Ils ont de caillou. T'as leur de leur contact, là. Moi, des pas. Ah, ouais, d'accord, nous. Et si jamais ces gars, ils sont pas là? On se démerde tout même? On fait genre. On fout des bouteilles, des trucs, des tequila et des compagnies. Ouais. T'es tu fous ce que tu veux et tu prends ton risque. Ok, très bien. Ouais, bah on va les régir comme jamais. On va contrôler toute la coke, les boys, putain de merde. Bon, si... Ouais, on va régir, ouais. Et vous faites que ça, vous? Vous vendez rien d'autre? Ouais. Si, par exemple, je voulais me choper des petits Uzi ou des Tech Nine, là, vous avez ça, vous? Ah non, ça n'a pas, non. Putain de merde. Coréa non plus? Ah, des peut-être quelques tonnes en toc. En toc? Ouais, en toc. Ah, je connais pas cette arme, putain, c'est quoi? C'est automatique. Un truc de toqué, un truc de vrai malade. Hein. Ouais, oh vraiment. Putain, un truc de malade. Arme soviétique. Putain, l'arme soviétique. Ouais, lourd. Oh, vas-y, lourd, je t'en prendrai une. Dans des quins. Putain, tu le gardes précieusement. Ah, t'es parce que. Mais de peut te le vendre. Parce que les cargaisons, t'es compliqué à arriver. Ouais, tu vendrais ça combien le toqué? Dans les un. De réfléchir. Un petit scorpion, à combien pourrait le vendre? Ryu, t'as une idée? T'as millions. 500 millions, oh, putain! Comment ça, t'as tant millions? Mais t'es en un cul-pit. En soviétique, un peu putain de monde. Non, de te le vendre, 50 000. Ah, ok. Bah, je te contacterai pour ça. Ça marche pas de tout dire. Ouais, ça peut être intéressant, parce que les bolos, tout ça, quoi. Ouais. Ça se trouve facile, des serveurs, pour ça? C'est quoi comme calibre?
t'es moi, je suis pas au courant. T'es au courant, toi, d'où ça se trouve? Moi, j'ai jamais vu. Hein. Comment t'as? De quoi? Ah, les chargeurs. Hein. Moi, je sais qu'il y en a qu'un nom, hein, mais après... Ah, bah, alors, devais vous dire quelques todes. Nous, n'importe que les darmes, les tardeurs, on t'est pas oublié d'avoir, mais faut t'informer au courant. Ouais, on les trouvera. On les volera à qui de droit. Après, pour l'instant, t'en es une, mais si tu m'appelles, après, peut-être de pouvoir en avoir d'autres. Faudrait de voir. Ok. Et sinon... Si vous avez des problèmes, vous, avec vos pays, que ce soit la Corée ou Cuba, et que vous avez des gars chopés ou exécutés, putain, les gars, appelez-nous. On adore ça, nous. Bah, je suis des Honduriens, là. Des Honduriens? Ah ouais. Ok, ça ressemble à quoi, Honduriens? C'est quoi, ça? C'est El Burro, là, des petits mecs en gris, et pas des hommes gris comme les extraterrestres, hein. Ouais. Des mecs mexicanos, là, hein. Ah ouais, c'est des... C'est quoi, c'est des mexicanos. Honduriens, ça veut dire qu'ils parlent pas? Ah bah je crois que j'ai vu un truc là. Prête Mirror, il y avait un tag Honduria tête de chien. Ils doivent traîner par là. Ouais, t'es tard. Ouais. À côté, à prot. T'es comme des Mexicains, mais pas du Mexique. Ouais, c'est des Honduria du coup. Ouais, voilà. Du Honduras. Pourquoi on les appelle les Honduriens? Parce qu'ils viennent du Honduras. Alors je pense que ça doit venir de là. Ouais, c'est des gars coréens. Tu l'as déjà fait, hein, ça fait la deuxième, hein. Ouais, mais j'insiste pour être sûr. Ouais, tu veux être sûr qu'on a entendu qu'on dit que c'est de la merde? Ouais. Okay. Je connais pas, alors c'est la merde, je les ai oubliés. Oh, si les petits, y'a plus de respect. Ouais, bah très bien, on a toutes les informations là, on peut déjà taffer ce soir là, ça vous dérange pas? Oui, allez-y, oui. Ok, allez-y, c'est carré. Allez, oh, ouais. T'as un numéro aussi, toi, Ryu, si jamais t'as Tali qui décroche pas. Ton numéro de téléphone. On a toujours pas eu la fiesta avec les Chica, les bombes à la fin, les mojitos. Pour ça, je pense qu'on aura mieux, là. 54-41, c'est ça? Ouais, t'es tard. Eh, vous vivez que ici, vous? Hasta la vista, jamais à l'autre côté? Nous, on vit à Little Seoul. À Little Seoul? Putain, je fais mon plat là-bas. Exactement, t'es détente à moins terre. Et la meilleure, on dit. Ouais. Ah, bah ok, les gars. On a le Retircle aussi, t'es la plus grande boîte de nuit, la meilleure. Oh putain, vous faites des soirées privées, des fois on peut la louer ou quoi? Ah, bien sûr, on pourrait voir pour tard. Tu sais qu'on crée juste en dessous, nous. T'es vrai, vers où? Ouais, à Wickaflu. Sur le côté, tu vois la flica là juste en face, il y a un TK. Ah, de voir. Ouais, on est là. D'accord. Vas-y, en tout cas, merci les gars. Pas tout dit. Allez, so whoop. Bon retour. A plus, toi. Bon. Ben voilà, putain, on est les rois de la coca. Où est-ce que nous ont pas pris les putains d'Américains? Vraiment, ouais. Oui, whoop, hein. Ah, whoop! Ouais, la salutation, ouais. Loutier! Putain, les gars, on est les rois de la coca! Ah, ouais. Attends, on va tous pas se monter dans la même auto. Hein. Vous voyez que c'est un service qu'on a fait. Ah, ils veulent venir sur mes genoux. Et on peut même. On a déjà des infos pour acheter des scorpions, putain. Ah, vas-y, on va chercher de la coco là. Si ça, j'ai jamais fait ça moi en plus. Ouais, bah on va aller chercher les trucs là, les putains de burritos, on va revenir. Ah, donc on ramasse les sachets de coco par terre, c'est ça? Ouais, je crois, et ça pousse à terre ça là. Et ouais, ça doit être un champ de. Il a dit qu'il a parlé de champ alors. Ah, ouais, c'est ça, c'est des plantes, il y a des petits sachets de poudre qui pendent et on doit les ramasser et puis on vend, c'est ça. Ouais, ça pousse dans les arbres. Oh, ouais, ça va être trop bien. Eh, c'est le paradis ici. Mais ça... Ouais, par contre, tu vas les ramasser, mais on n'a pas de feuilles de tabac. Bon, on va se démerder, on va mettre autre chose. Ils sont pas là. Au pire, on met un blues hein, pour casser. Tu vois, on s'arrête, on met dans le coffre et on met un blues au-dessus. Ouais, c'est vrai, ça, on met un blues au-dessus. On met du lait. Ouais, on dit juste qu'on fait du transport de clandestins et pas de trafic de drogue. Ah ouais, putain. Mais on prend pas plus cher si on fait un trafic de clandestins que de la cam. Oh, c'est pas, tu sais, moi les lois je connais pas trop. Ah, moi non plus, putain. Putain, il faut ramener des Honduriens aussi. Ouais, j'ai pas tout compris avec ça. Des gars qui habitent le bourreau, apparemment. Et ça ressemble à quoi, un Hondurien? Oh, c'est un latino, mec. Ouais, c'est genre de mexicain, mais qui est pas vraiment mexicain. C'est un semi-mexicain. C'est des mexicains qui ont été restés ou qui sont refoulés? Je sais pas, peut-être ils sont basanés. C'est en fait des mexicains produits blancs.
c'est une version low cost. Ouais, c'est vrai. Ah, on irait pas taper un oeil au sang? Moi, je veux voir à quoi ça ressemble. Bon, on va revenir avec les brutos. Ah ouais. On va chercher les burritos, on arrive, on va récolter. On se fait un petit démarrage au sol, là. Aïe. Ouais, mais on n'a pas les... Tu vois, les leds, tout ça. Pour passer la douane, c'est compliqué, sinon. Mais putain, tu prends d'avance, tu triches. Qui donne le poids de départ, là? À moi, veux bien. 3. C'est parti. Oh, ce qu'on leur met. Si, on leur a mis. Ah, c'est normal, c'est obligé de conduire. Alors, faut dire qu'on avait un gros avantage, hein. Ouais, ils sont éclatés tout à l'heure. Et quand on a Ozzy au volant, ça fait déjà... C'est même un peu trissé, limite, hein, d'avoir Ozzy au volant. Vous savez ce qu'on va faire? Comme on n'a pas les gars, ils ont pas l'air d'être là, les gars du tabac, là. Je sais pas quoi ce qu'il a raconté. On va prendre les putains de... Les trois Moonbeam, là, et le Yuga. On va foutre du lait dedans. Putain, mais pourquoi il va plus vite que moi, cet enfoiré? Attends, retournez vos casquettes, c'est pour ça, il faut mettre en aérodynamique. Wow. Il faut mettre les casquettes à l'envers, ça fait aérodynamique, c'est pour ça. C'est la technique du trottoir, ça? Bah, est-ce qu'on vient armé ou pas? Ah, moi, je suis armé, hein. Ça risque, hein. Ah, t'as pas été posé, toi? Ah si, j'avais posé, t'as raison, ouais. Ah bah non, c'est un molotov que je sens dans mon fut, là. Pour nous faire chier, pour les gars. Pour les braques, c'est enfoiré de cops, non? On en a rien à foutre. On va durer 5 jours. J'ai menacé avec mon molotov, au pire. Putain, ça va être gang, tous les burritos, là. Ah ouais. Un Chuck, il a refait la couleur du sien. Mais putain de merde, pourquoi il a fait ça, cet enfoiré? Parce qu'il a dit que c'était le sien. Putain, tu vas voir, je vais l'enterrer dedans. Après, c'est vrai que ça faisait un peu rond saumon. Alors, se balance pas. Comment mais, ça faisait rond saumon? Il a même dit que c'était une couleur caca, je sais plus comment il disait. Mais bon, c'est pas du sérieux, ils avaient le. Mais putain de connasse, va! Elle a fait l'esprit, il a voulu nous assassiner. Quoi, sérieux, ils avaient l'air rose? Sorti du cœur sur lui là. Ils avaient l'air roses ou pas les trucs là? Un peu, ouais. Moi quand je les ai fait, il faisait nuit, putain. Ah, du coup là il fait plus rose du tout, hein. Il fait bien rose. Bon, ça va, on va foncer quoi. Comment fonctionne? Il a laissé la bande noire. Ah, je pense qu'on devrait le racheter tout contre ce garage, hein. Ça nous coûtera moins cher. Ouais, c'est vrai, tiens. Tu vas travailler dedans. Ouais, je les connais super bien en voiture en plus. J'avais un pote biker qui travaillait ici avant. Ah bon? Ah ouais? Ouais, il s'appelait Denzel. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais. Il avait un petit gang, l'Ace Bait Dragon. On se connaît pas. Moi je connaissais un type qui était souvent à moi à ce garage là, il s'appelait Arturo. Arturo Braghetti. Ouais. Oh, elle est trop belle ma caisse. Alors moi je préfère comme il a mis, hein. C'est dégueulasse. Et tu vois, ouais, ils sont pas... Mais ils sont pas roses du tout, vous flashez complètement. Ouais, vas-y, chacun ses goûts. Hein. Vas-y, Five, tu trouves qu'il est rose, toi? Ah, Five, il est parti se poser. Putain, c'est pas Five. Ah, d'accord. Et on prend quoi comme voiture chaud avec ça pour... On prend juste les deux... Ouais, on prend juste les trois, là, les trois. Ah ouais, y en a trois. Ouais, on prend les trois carrément. On va foutre 20 de lait dedans, non? Et on prend le Yuga. Ah ouais. Comme ça, on y va une fois. Je sais pas s'il y en a assez. On va aller voir. On prend le Yuga avec. Ouais, on prend le Yuga avec. Vas-y, avance un peu. Je suis en train de me poser une question, là, les boys.
Ouais. Est-ce qu'on y va chromé ou pas? Non. Moi j'irai pas chromé. Armé? Ouais, le problème c'est la douane. Non, moi j'irai pas. Vas-y, moi j'ai pas envie. Hein. Ouais, non, tu as raison. Pas envie de perdre deux pistolets de tonton. Ouais, et voilà. Bon. Vas-y, vas-y, si je perds le. Le choix de tonton, il va me niquer. Apparemment, il avait déjà fait quand t'étais petit. Ouais, ouais. Ouais, t'inquiète pas qu'il m'a fait passer le passage. Hein. Comment ça, t'as pas été traire des vaches, putain de merde? Ah ouais, non, c'est pas moi, non. Ah ouais, ouais, non. Moi, tu vois, je sais pas, j'étais bien là cet après-midi sous le canapé avec la clim, tout, tu vois, je sais pas pourquoi. Avec ton chat? Non, non, ouais, non. Ta chatte? Y'a les cops dans le quartier. Comment ça, y'a les cops dans le quartier? Ah ouais, ça part en couille déjà de là, par de là déjà. C'est pas un 5-0 toi? Bah non, ça va. Ah, du coup, vous habitez ici? Ah ouais, c'est ça. Eh putain, mais ta caisse, tu l'as chopé au bordel? Mais c'est quoi ta caisse là? Bah, on l'a ramené de Caillou Péricourt. Ah ouais, lourd. Ouais, lourd, ouais. Et t'es sûr qu'elle est pas pistée ou un truc comme ça là? Bah, dépend pas, déterre pas. Putain de merde. C'est une voiture de Cuba ça? Bah non, t'es une voiture de police qui était à Caillou, mais on avait pas de voiture, du coup, on a pris celle-là. Ah bah vous avez raison putain. Ah mais vous la voulez hein. Pourquoi t'en profites pas pour arrêter des gars là? T'arrêtes des gars, tu les fais payer des amendes et tout là. Ah tu peux pas faire passer pour un cops à la douane de... Ah mais à nous on a morte de douane des dames, mais me faire pâter pour un polité. Il m'a dit il y a les vrais polités, il m'arrête. Ouais c'est vrai ouais. En plus tu es tout nu. Ouais c'est vrai ça. Ça passe. Mais tu dis que t'es fou. Pour passer la douane, il y en a deux qui se déguisent en keufs et qui disent qu'en fait ils sont en train d'escorter un convoi super important. Ouais, t'es malade toi, c'est perpète ça. Non, ça marchera pas. Faire... Ouais, putain, tu sais ce qu'on risque, ils vont nous calarder ces enculés là. Ouais, un quoi mourir. Mais si on est déguisé en cops, ils vont croire qu'on est des five-volts. Ah ouais, non, c'est perpète ça. Putain, jamais je mettrai un costume de five-volts, ouais, tu m'entends, jamais je me faire crever. Ouais, comme il dit là. On met un costume de five-volts, mais un rouge, on dit qu'on est la police de Cuba. Ouais. Et vous la voulez la voiture? Parce que t'es pas quoi faire. Vas-y, carrément, on va la garder. C'est quoi, tu la brûles? T'as pas un bidon d'essence pour la brûler là? Ah bah c'est quoi la brûler là tout de suite si comme tu veux. Vous faites des départs, moi, vous tournez un film des départs. Ouais, on va la garder dans le garage, c'est quoi, on va s'en servir. Si un jour on a envie de faire tomber un copse, on va la prendre, on va assassiner quelqu'un, on va faire les journalistes. Pas tout de suite, bon allez, à plus. Vas-y. Allez, salut Mac. Salut, à bon merci Mac. Vous avez mis du lait dedans? Ouais, c'est bon. Ok, c'est carré, allez, on y va. Moi, je conduis pas le rouge, il est dégueulasse. Vas-y, bah, conduis, alors ici. Faut que j'aille mettre le plein, mon meilleur. On va tous aller faire le plein. On attend juste le choc. Ouais, moi, je monte avec toi, comme si ton préféré. C'est ça dans le fond que c'est ton fils et que tu n'oses pas me le dire. Bon, si jamais on se fait chasser, on se met des pardons, hein. Comme à l'école. On est quatre. On les laisse passer, on referme derrière, tu vois le délire? Ouais, c'est pas deux. Puis on ouvre la tenaille. C'est parti pour le business. On va aller faire le plein à Little Seoul, non, c'est moins cher. Les rois de la coke, et ça nous va trop bien. Après, il faudra qu'on aille faire le plein d'autres choses. Ouais, t'as bien fait, Sid. Plein de pognon, ouais. Moi aussi, je veux une piscine. Le contact qui boit toutes les pompes de peinture, les guns et compagnie, là. Il date là 7 tonnes, je crois qu'il en faut pour faire de la cam. Il est pas rose le van, ou alors c'est moi qui flash, mais... Tu le vois rouge toi, Sins, le...
Non, non, vas-y, vas-y, tracasse-moi ici, il fait 50 degrés, je suis tout mouillé, là. J'étais bien sur ma terrasse juste avant, là. Bah, c'est pour pas qu'on nous confonde avec l'autre gang. Pour ça que je voulais un truc plus noir, tu vois. Eh, t'as l'impression de passer ma vie à la pompe. Ouais, putain. Ou au mécano, ça dépend. En fait, le truc... Oh, putain. Putain, elle est toujours pas rapprovisionnée depuis tout à l'heure. Ouais, 2 litres pour 4 fourgons, ça va être tendu quand même. Y'a la pompe juste à côté là, si j'avais regardé le prix. Ouais, je crois que Chuck il a pas compris qu'il y avait plus d'essence. Ah ouais? Ouais. Comment tu sais ça? Ah, tu vois ce que j'ai essayé de faire le plat tout à l'heure et que je tombe en panne d'essence avec ma tulipe. Ah ouais, d'accord. T'as vu un peu ces enculés, ils te font croire, ils t'envoient de l'air. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ah ouais, l'enfoiré. Vas-y, avance un peu, là, je peux pas rentrer dans le mien. Eh, faut qu'on se lance dans le trafic d'essence, hein. Ouais, putain, c'est vrai. C'est quoi, hein? On va acheter notre propre station. Ouais, ça... Eh, on fera venir de l'essence de contrebande. On en a pas déjà perdu un, hein? Il est parti chercher de l'essence, de toute façon, ça rejouait tous à la frontière, là. Eh, ça vous dirait pas, quand on a un peu de blé, on achète une station. Notre propre station. Ouais, le rêve. Vas-y, faut que je m'arrête à une station, moi. Il y en a une par où je vais. On vendrait de l'essence et on appellerait ça l'or rouge. Ouais. Et on fait cramer toutes les autres stations, comme ça il n'y a plus que chez nous et on met le prix super haut. Oh ouais, putain, t'es trop fort. Imaginez les gars, on achète une station essence, ok? On fait péter toutes les autres et on met notre essence à 3$. Oh, c'est tellement intelligent. Tu vois, c'est pour ça qu'on va rouler sur la ville, hein. On est trop malin. On est beaucoup trop malin, je trouve. Ouais, c'est vrai, ça putain, qu'est-ce qu'on est intelligent. T'as pas une bombe par hasard? C'est un plan de Qatari, ouais. Moi, j'espère qu'il y a de l'essence, là. Un plan de Qatari. Putain, j'ai chaud. J'ai tellement chaud que je me suis entièrement rasé le torse. J'ai enlevé ma fourrure. Ouais, si on rasait celle-ci en fait de pompe. Ouais, t'es fou, celle-là, on va la faire exploser. Vous savez quoi? Prochaine embrouille avec les ballasts, on vient avec des bolotovs, on fait exploser leur station. Ça t'aura bien un coup. Bon, après, j'ai un petit molotov qui me démange, là, si tu veux. C'est vrai? Ouais, mais là, ils sont pas là, tu vois. Ouais. C'est mieux qu'ils voient ça, qu'ils pleurent. On va en profiter qu'il n'y avait pas beaucoup de monde pour faire de la cam, hein. On se fait un bon petit stock. Et on dit on pourra quand même goûter le produit, hein, parce que bon, tu vois, c'est... Ouais. C'est pour le bien-être des clients, tu vois, pour être sûr que ce soit de la bonne cam, faut quand même bien on goûte un peu. Ouais, je vous ferai un prix. Comment ça un prix? Ouais, je te ferai un prix, je te vendrai 50$. Ouais, d'accord. Après, tu sais bien, on est pauvre un peu, hein, donc... Ah, justement, c'est... putain, on consomme pas sa cam. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment consommer, ouais, c'est... Enfin, c'est vraiment juste pour goûter, tu vois. Dans l'énervement, hein. Pourquoi tu veux qu'il soit dans l'énervement?
Je leur dis qu'on pouvait bosser. J'ai pas compris. Mais je sais pas. C'est Tchèque qui panique. Vas-y, roule, hein, moi j'en ai rien à foutre. Avec quoi, il dit peut-être qu'on n'a pas prévenu, c'est ça? Il a dit qu'on pourrait bosser, donc je vois pas ce qu'il pose comme problème. Il fallait peut-être un SMS pour être sûr en prévenant qu'on vient bosser. Dans le doute. Oh, il manque une camionnette. Ah, je lui ai posé la question tout à l'heure, là. Je lui ai dit qu'on pouvait bosser dès ce soir, il a dit ok. J'avais pas entendu. Tu sais, je lui ai même demandé que s'il n'y avait pas les gars du tabac, on pouvait faire passer de la tequila ou des autres trucs, tu vois, dans les vannes, il a dit ok. Vas-y, ça lance, man. Ah, du coup, Audi, ça veut dire qu'on est des trafics en drogue international? Tiens. Oh! SOWOOP! Putain, dommage qu'on n'est pas armé. On y va la patte, ok. Ah, bah, ils vont avoir des flingues. Ah, c'est soit ça, soit ils vont nous attendre au retour. Hein. Là, on va tirer, il va avoir des flingues. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, on aurait dû se gueuler, putain. Je le savais. Et puis en plus, faut qu'on tombe sur eux comme deux par hasard, quoi. Quand on les sert, s'ils sont pas là, et quand on veut pas les voir, on tombe dessus. C'est pas grave, ça veut dire qu'ils ont été chercher du matos. Ils vont peut-être aller taffer après, vous avez capté. Ah, ils vont pas traîner avec, à mon avis. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils foutaient là, s'ils avaient déjà du matos sortir, hein. Non, vous avez pas compris. Nous, on sait où on doit les taper après, vous voyez? On peut les taper là-bas. Si on tape juste leur cargaison, tu vois. Moi, je préfère voir le produit fini. Ouais, je crois qu'il a du mal avec l'autre camion. Oh, le gars, il a du mal. Tu vois, dealer, s'ils ont été chercher ici, c'est qu'ils vont aller... Ah, ils vont bosser après, ouais, c'est sûr. Ouais, hein. C'est ça. C'est qu'il y a du monde à la douane. Ah, du coup, faudrait qu'on rentre les camions, nous, en attendant, d'aller les taper sans rien. C'est ça, hein. C'est quoi, c'est des motards. Les gars, vous savez où on va les taper après. Oui. Ok, très bien. Moi, c'est pas sûr qu'ils ont compris, hein, mais bon. Tu leur fais un peu trop confiance. Bon, c'est où exactement qu'il a dit? Moi, j'ai rien compris. Quelqu'un a compris vas-y. Où étaient les champs ou pas? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, ouais. Tu... On va faire un max de pognon. Oh ouais. Je vais l'avoir, mon turbo. Bizarre devant. Vous savez quoi, on sortira plus jamais sans nos gueules quand on fait des trucs comme ça. On arrive à sortir vivant de la tombe, quoi. Ah ouais, je te le dis, là. Il va falloir rouler un maximum. Faut juste faire deux par deux et on va s'en sortir très très bien. Attends, c'est pas fini. Oh, mais c'est vivant comme ville, quand même. Comme île, quand même. Ouais, c'est... En fait, c'est ça, les fiestas, la fiesta avec les mojitos et les bombas latinas, en fait. J'avoue, il a raison, on n'en a pas été invité. Hein. Par contre, on n'est pas passé devant, là. Je crois que si. Ça faudrait mettre un post-it chez Tata, là, parce que putain, on casse les couilles cette chute. Ça bosse en tout cas dans le coin. Ouais, ça a l'air de bosser, ouais. Ça veut dire qu'il y a du matos à taper.
Putain, vous êtes sûr de savoir où c'est? Si, c'est là. Ça ressemble à ça de... Mais y'a pas de ça cette coupe. Enfin, je comprends pas. Ouais. Pourquoi je peux pas mettre 2 points? Oh merde, c'est en... Faut pas. On va tous les charger, on va chercher tous nos chromes et on va zoner. Ouais, si on a le temps de décharger. Ouais, attends, faut déjà qu'on arrive à sortir. Arrêtez de flipper, putain, les gars. Vous avez qu'à écouter ce que dit. Putain, j'ai oublié son nom, Kaiden. On va pas se faire baiser comme ça, vous croyez quoi? Ouais, non, on est les putains de Bloods. Ah ouais, j'ai pas peur de ça. Deux par deux, et comme à l'école. Voilà, ça glisse tout seul. Ah, vous avez pas peur, mais ça fait 10 minutes que vous flippez là, vos fesses. Voilà. Il a brûlé qu'on a foutu le polo. Il y a une bécane qui tourne, vous avez entendu? Je crois qu'ils jouent ce qu'on fait. Et je les vois pas du tout roses. Y'a que moi qui les vois pas roses. T'inquiète. Cole, on perdra aucun camion. On va aller refaire un peu la peinture, on va aller faire un peu plus rouge là. C'est vrai qu'au soleil, putain, y'a un peu de rose. On va nous prendre pour le gang des mirrors. Tu vois. Putain, j'arrive pas à ouvrir les coffres. Elle va pisser. Vas-y. Hey Chuck. Tu m'entends, Chuck? Ouais, tout va bien, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ton tonton, il t'avait pas les gars burrito encore? Ouais, si, j'en ai un autre, ouais. Beaucoup mieux que ce putain de yoga, non? Ouais, on va le foutre au... Ouais. Mais pourquoi j'arrive à aller dans le coffre, là? Va pisser. Ouais. Va pisser, ouais, c'est parce que t'es allé... Putain, c'est vrai que c'est Bordeaux dégueulasse en plein soleil, là. Bah, ouais, tu vois. Ouais, j'ai fait ça la nuit, moi, j'ai pas vu. Ouais, t'as vu par rapport... Regarde le mien de rouge. T'as vu comment il est bien, le mien rouge? Ouais. Un peu trop rouge, tu vois. Ouais, de toute façon, je crois qu'on va en faire un rouge comme ça, un plus foncé, tu vois, histoire qu'on les reconnaisse directement. Ah, ils sont tous remplis là? Moi j'en ai pris 120, ouais. Moi j'ai rempli 135 dans le yoga là. Ouais. Ouais, non, moi je laisse bien une bonne couche de lait, hein, parce que. Les cops comme ça, c'est dans les. Cul des bouteilles de lait. Eh, c'est du lait de bouffon là. Ouais, c'est vrai. Pour faire... C'est du lait spécial, hein, Audi. Putain, t'imagines le jour où t'auras une fille, elle va te demander: papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Ouais, toi, t'inquiète. Je lui montrais, ouais, tu la prends, tu la secoues, tu la protèges bien par une capote d'ailleurs. Fais attention à ton petit minou. Ouais, non, 100, faut mettre 120 par. Faut laisser 120 par camion et laisser les 20 de lait, tu vois, parce que comme ça, voilà. Tu vois, c'est du. On n'a pas bougé le lait, personne n'a bougé le lait là. C'est... Ouais, c'est. Ah du... non.
Non, non, c'est bon alors. C'est de l'import spécial, c'est du lait spécial de Bufflon là, qui. Ouais, c'est comme c'est exotique comme. Ouais, n'a rien sur vous. Ah, j'ai rien compris. Ouais, moi j'en ai 20 sur moi. Non, j'ai pas. Non, garde pas sur toi. Jeté sur moi alors. Non, pas sur moi. Ouais, non, non, balancez-les. Si on est fouillé, tu vois, on est foutu, ils vont fouiller tous les véhicules. Je te dis qu'il faut vraiment que ça soit dans le cul des bouteilles, dans le cul des packs de lait. Ouais, on attend les autres qui ont été pissés là, puis on s'arrache. On va tout décharger et puis après on va. Je fais juste un petit récap. Ouais. Comme le Yuga c'est le moins rapide, faut qu'il soit dans les véhicules de devant. Deux devant, deux derrière, on se pack bien, on roule à la même vitesse, on va pas se faire taper, on sera plus fort qu'eux. Ouais. Même si on roule moins vite, on est plus massif. Ouais, c'est technique. Mais faut que le Yuga il soit devant, hein, parce que c'est le moins rapide. Hein. Ouais. Ok. Voilà, moi je me dévoue, je vais aller derrière. Ah ouais, toi t'aimes ça, toi, être derrière. Ouais. Moi je suis le dernier train de la locomotive. Le truc c'est qu'il faut un capitaine de route, toi. T'inquiète pas. Vas-y, bah on va mettre le Ochi. De toute façon, là on n'est pas tout le monde, là, il en manque un encore. Là. C'est pas. Il y en a peut-être un qui est en train de manger des feuilles de coca, non? Non, il est parti se coucher, frère. Il y a tout le monde là. Attends, t'as vraiment dit qu'il nous fallait un capitaine de route? Bah ouais, un mec de la route quoi. Putain, mais ça t'obsède, hein. Ça t'obsède, les motos. Ouais. Mais qu'est-ce que tu racontes, un capitaine de route, tout le monde dit ça, non? Ouais. Un capitaine de soirée. Juste. Il nous faut un quarterback. Je préviens, quand on va tourner, il y en a un qui va dire à gauche. N'oubliez pas que vous allez prendre le virage à deux et. Donc il y en a un qui prend un peu plus large, l'autre un peu plus serré. Ouais, on reste la technique de la tortue, quoi, la tortue ouais, ninja. Ouais, t'as tout compris. Moi, je fais le pari. On va essayer de faire ça, vas-y. Dis à Esti que personne va nous taper. J'en parie 15. Ouais. Ils vont se dire, ouais, ils sont plus nombreux que nous, si ça se trouve. Comme hier. Ah, par contre, la peinture, elle est dégueulasse. Je sais pas qui a fait ça. Tu vois que ça fait un peu rose quand même. Bah ouais, en plein soleil, mais moi j'ai fait ça la nuit, putain, avec les lumières du garage, t'as capté? Ouais, t'avais fumé aussi, un peu au diable. Yuga, n'oublie pas que tu te mets en. Ah bon, bah. Ouais, c'est mieux, c'est la torture, t'avais raison, ça donne un meilleur style de toute façon. En deuxième, ouais. Ouais, j'en peux plus. Putain, y'a un fantôme, c'est quoi ça? Eh, mais on la ramasse au moins la portière, c'est quel fantôme qui fait? Non, mais ramasse la portière, on récupère là. On s'en fout, arrache la nouvelle portière, putain. Je vois derrière. Mais ça se revend la ferraille. Ah, ça a dit combien? 10 AST, c'est ça? Ouais, 10 AST, ouais. Ouais, mais tenu, hein. Putain, c'est vrai que ça fait Bordeaux dégueulasse en plein soleil, putain de merde. Ah, franchement, je vais te dire, si les ballasts nous attendent pas là-bas, limite, c'est un peu déçu. Ouais, mais ils ont de la cargaison aussi, tu vois. À mon avis, ils ont été déposés, etc. Est-ce qu'ils vont revenir à temps? Putain, c'est quoi, les tagués morts à la Luna, c'est quoi ça? Ouais, je sais pas. Moi, c'est pas ce qu'on est pas. Ça roule à la même vitesse que moi. Pas. Ouais, vous irez Morpad aussi, quand vous aurez le temps, là, les burritos, même couleur que les tulipes. À part celui de Chuck, là. Moi, je trouve que ça sonne bien, la Luna, quand même. Ça fait un peu rêver, tu vois, c'est pas mal, je trouve, comme. Putain, j'ai plus de musique. Je prends un peu d'avance et je remets la musique. Non. Faut vraiment qu'on reste à la même allure là. Voilà. Ok. Putain, quel capitaine de route. Allez, vraiment, j'ai juste dit ça, quoi. Ça y est. Je te jure. Vas-y, je suis un capitaine de croisière en fait. Ouais. Kaiden, c'est notre sergent d'armes. Ouais. Qu'on va là. Ouais.
Ah, du coup, Ozzy, y'a table ronde ce soir? Ouais, y'a table ronde, c'est ça. Je vous emmerde. Oh, enfin... coucou! Ah, ça a été déjà ça. Ouais, non, ils foutent vraiment des véhicules partout, hein. Peut-être des gars qui sont foutent à peine. Faudrait essayer de choper des sous-marins. Ouais. Ah ouais, elles ont vu ça dans des films, ouais. Même que ça lance des missiles. Ouais, avec le capitaine Nemo. Ouais, tu l'as vu aussi? Ouais, ouais, avec le Nautilus. Ouais, ouais, t'as pleuré, toi? Ouais, j'ai pleuré. Ouais, moi aussi un petit peu. De joie. Ah ouais, bah évidemment, hein, c'est... Bon bah... Putain, le moment qu'on prend pas de notre gun, il y a zéro flic. Pas de comité d'accueil en vue. On regarde bien dans les hauteurs. Ah du coup on fait quoi là? On va... Bah Oud. On va Oud prendre des bagnoles et on va voir s'il travaille. Ouais je pense. Comme ça on met ça en sécurité, on reprend des caisses et on prend des gueules. Exactement. Vas-y, mets-moi un peu un petit poids pour le chemin le plus court là. Montre-moi la carte. Attends, sors la carte, ouais. Celle-là je crois pas. Là, tu vois, là où c'est mon doigt là. Ouais, je crois qu'on pourrait même faire le tour par l'autre côté carrément, en arrivant, tu vois, tourner à droite direct après le pont. Ah, c'est toi le patron, hein. Eh, c'est quand que tu m'avoueras qu'en fait, que c'est ton fils, que... Avoue qu'il y a environ 17 ans d'ici, t'as niqué ma daronne. Ouais, donc j'avais 13 ans. Ouais. J'avais pas de sperme à 13 ans, putain de merde. Ah ouais, non? Ouais, c'est parce que... À 11 que... ans, j'ai niqué ta daronne. Ouais, donc c'est... Bah c'est possible, hein, peut-être que ça prend plus de temps que prévu. T'as mis du temps. Ouais, c'est ça, ouais. T'étais bien. Bon après, si tu préfères, ça restera entre nous, hein, je le dirai pas aux autres, pour pas qu'il y ait d'azalousie, tout ça, hein, vu que... C'est quand même moi qui vais reprendre le hood plus tard et tout. Enfin, tu vois, j'ai pas envie que ça sente leur façon de me voir. Je suis pas prêt de canner. Ah non, ça c'est bien, je me doute, hein. Bon, par contre, on les a déjà perdus, hein. OG, t'es tout seul, attends-nous un peu. Ouais, je m'arrête. Ah putain, faut que je remette la radio. Vas-y. Ouais, t'inquiète. On pourrait pas sortir directement à droite après le pont, là. Tu vois, quand on revient du pont là, passer directement à l'envers là, à droite. Enfin, c'est pas... Non, je comprends pas là. Ah oui, il a un volant pété lui. Il a son volant, il l'a de temps en temps, donc il va tout droit. La voiture sportive là, elle a fait demi-tour. Y'a les Hulk qui veulent tout voir après. À gauche. Ouais, trop pion pour la prochaine. Mais du coup, on doit mettre les feuilles qu'on a ramassées dans des destassets et puis c'est tout, on vend ça comme ça? J'ai pas tout compris, moi. Ouais, c'est non. Comme la weed, on fait ça. Non, en fait, il nous faut du nitrogène et t'as jamais cousiné, putain, toi. Ah ouais, non. Ah, moi, j'en ai fait pendant quelques années. Moi, tout début, j'étais dans le haut, j'étais les petites mains, tu connais. Ah, tu pourrais un peu m'apprendre, enfin, tu vois, un peu comme... Ouais, je vais vous apprendre. Comme un père qui transmet son savoir à son fils. Je vais vous apprendre. Faut du nitrogène et de l'acétone, on va le faire le plein après. Et ça fait trop de scientifique comme truc, c'est trop bien. Quand je serai grand, ça serait une série avec comme ça un mec qui... Allez, on range ça, on prend les guns et on sort les tulipes. Il y a les Hulk qui vont
nous voir dans 5-6 minutes. Ah, rien à foutre. On va aller chercher du matos là. Attends, parce que ouais, c'est compliqué de. On fait la file. Prenez tous 40 munitions. Je sais pas s'il y aura assez. Si, j'ai fait le plein, il y en a plus de 400. Ah ouais. Putain, je me fais toujours passer de loin. Zbrr 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 Zbrr. Ouais, son whoop. Ouais, comment tenter, il a vrillé quand j'ai fait le premier saut. Bon, je peux y aller? Non, il y a de monde. Par contre, le prochain qui me met un coup de batte de baseball, je crois que je lui fais faire un tour de cave. Passez à bouffer, à boire. Vas-y. On va péter hey, du balade. T'as gardé des pesaces ou pas? Les balades, ils étaient. Ah ouais, non, je t'ai tout donné. Vas-y, ok. Je vais vous finir 2000 pesaces si jamais vous y allez ou quoi, Caillou, quand je suis pas là. Oh, vas-y. C'est pour quoi faire? 75. C'est pour payer Caillou. 75 représente, ouais. Ah, c'est. On doit leur filer de la thune quand on y va? Bah, je suppose, tu vois. Ou si on doit acheter des trucs. Ouais, alors comme ça, c'est. De toute façon, là, c'était pour nous lancer, tu vois. Ouais. D'ailleurs, putain de merde, le petit scorpion là, il me plaît bien. Ouais. C'est un bon prix, non? Ouais. Je sais pas s'il connaît rien au prix, moi. Après, on s'en fout s'il est pas marqué et tout. Bon, après, il disait que les munitions, c'était soit trouvé quand même. Ouais, ça va se trouver, hein. Non, je crois que mon contact, il en a. Sinon, on fait semblant, hein. Bah, c'est toujours une histoire de contact, hein, OG. Ouais, c'est ça, c'est sur le contact, tu vois. C'est comme ouais, les MST, c'est pareil. Si t'as le contact ouais. À la MST. Ah ouais, c'est pour ça, faut bien mettre la vessie de porc. Ouais. Lève. Ouais, c'est ça, petit, ouais, lève, c'est bien. Lève. Ouais, sois plus lève, extériorisant. Lève, ouais. Extériorisant. Lève. Non, lève, non lève. Tu te fous de moi. Moi, je connais le bécherel. Vas-y, mais, ouais, ouais. Donc tu attends. Vas faire l'extériorisation. Ouais. Lève. Lève. Ouais, c'est ça, lève. Ouais. Ouais, vas-y. Lève. Dans ta voix, je veux le sentir, ouais. Après, c'est... Ah oui, lève. Lève. Ferme bien ta gueule. Bon, allez, lève tes mains, espèce de petit enculé, ou je te fume. Ouais, tu vois. Ah, là, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut être... Tu vois, tout est dans le ton de la voix et la persuasion du regard, le fronçage de sourcils, tu vois, ça, c'est important, tu vois. Ah, ouais. Vous savez la caisse de cops qui nous a demandé, qui nous a filé, là. On va se faire rançonner ouais. Pour la voiture. On va faire payer ouais. Les cops pour la récupérer. On va prendre bon allez, sortez vos guns là, vous les mettez sur juste à côté de votre énorme bengala. Ah, il y aura plus de place hein, pour moi aussi. Et on va péter du balas, douda, douda. Ouais. Et ouais. On va péter du balas, douda, douda, da. Faudra racheter quelques bombes de peinture aussi, je pense, non? Il y en a dans la cave. Ouais. Ouais, je crois qu'il en ouais, on va aller faire. De toute façon, on va aller après. On va aller faire le plein d'acétone là et on va faire le plein de. Oh. Ah putain, ça fait du bien. Ah, on va faire le plein de spray. Poulet andalouse, je reconnais. Ouais, poulet. Ouais, j'ai bouffé du poulet, ouais. Bah, de toute façon, maman, c'est tous les jours qu'elle fait du poulet. Hein.
après, Audi, hein, t'as vu, hein, j'allais pas me prendre la tête avant de 10 boissons champignons dans la rue, hein, c'est de la merde. Hein, ouais, non, mais t'as entièrement raison. Ça rend fou en plus, t'as vu. Pas ça, on va lui refourguer chaque fois ce qu'il demande chaque jour. Et ouais, le reste, on fera dans la rue. De toute façon, on va produire comme des malades, je vous le dis, moi. Putain, on va faire le plein. Vous croyez si j'ai déjà 50%? T'as 50 litres. Un peu plus. De toute façon, tu fais du 20 litres au kilomètre. Ouais, carrément. Ah, ça, c'est... Je vais te filer le molotov parce que c'est une connerie avec. Regarde, il écrit quoi sur la bouteille? Me montre pas le molotov ici. Non, non, c'était le fil là. C'était le fil, mais c'est. Pensez pas qu'on devrait acheter une crosse. Il a combien de pourcents le. Regarde, le numéro sur la bouteille, c'est combien? Là, c'est. J'arrive pas bien à lire. Oh putain de merde, mais je sais pas, je suis en train de faire le plein. Qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ton molotov là? Wow. Ah, putain, ouais. Bah c'est faire une connerie avec ça, je te sens bien. Ah ouais, bah c'est pas petit, surtout dans la station de service là, attends de voir. File-le à Chuck, les bien les molotov lui. Ouais, vas-y, moi j'aime bien tout brûler, ouais. Bah ouais, regarde, wow. Il a combien de pourcents le dosage? Ouais, je sais pas, vas-y. Eh, vous en pensez quoi? On pourrait avoir une petite crosse pour envoyer un gars en éclaireur à chaque fois. Carrément quoi. Carrément quoi. Ouais, moi je préfère 7. Bon, le plan là, si jamais on voit des gens, on bat de loin, on garde les caisses, on y va à patte. C'est pas trop loin, quoi, c'est des trous du cul, gros. Allez, sortez vos guns. Vas-y, tiens. Vas-y. Bon, oh, elle est tout neuf ton truc, c'est bon, tiens. Je le recharge un peu à la station et ça va le faire. Allez, vas-y. C'est bon. Ouais, nickel. C'est pas, moi j'ai peur de le faire tomber dans la voiture. Ah ouais, ouais. Faut dire que, ouais. Faut bien le caler, quoi. Ouais, mais c'est une trop grosse responsabilité. Je suis trop jeune pour avoir ces responsabilités là, tu vois. Ouais, mais t'inquiète. Petit deviendra grand. Ah ouais, c'est sûr, hein, je vais devenir comme moi, papa, hein, comme Ozzy. Je suis pas beaucoup plus vieux, hein, moi j'ai 18 ans. Ah ouais, c'est vrai, moi j'ai. Ouais, mais moi j'ai 17, donc quand même, hein. Ouais, c'est que tonton il me forme depuis l'âge de 5 ans, tu vois. Toi, t'es plus puceau, enfin moi non plus, hein. Vous allez devenir des machines, vous allez voir. Ah ouais. Comme Terminator. Y'a des vannes là. Ouais, j'ai vu des vannes là. Où? Là, dans le hangar, là. Attendez, apparemment, y'a des vannes ici. Ouais, ouais, y'a des vannes, attends. Y'a des vannes dans le hangar, là, de bordel de nitrogène. Vas-y, on va voir. Vas-y, on prend chacun à côté, on les enferme. C'est maintenant, Audi, c'est maintenant? Ouais, ça va être maintenant. Prends l'autre côté, Audi. Prends l'autre côté. Y'a pas de van, y'a rien. Y'a rien du tout. Ils viennent juste de partir. Ils étaient sur le départ. Hein. Ouais, ils sont petit planqués derrière, hein. J'avais 3 vannes, c'est sûr. Des vannes de quelle couleur? Ouais, des gris. À part si c'était une illusion, mais pour moi j'ai bien vu 3 vannes. Non, mais c'est possible. Après, vu le temps de réaction, ils ont eu le temps de se barrer. Il y a les caisses là, non? Ouais, il y a des caisses grises, ouais. Ouais, on y va, Audi. Vas-y, on y va. Vas-y, c'est qui ça? Elle se connaît cette caisse? Ouais, c'est l'autre là, c'est Tacos Clandestino qui doit nous ramener du produit. Ouais, c'est ça, ouais. Non, non, on tire pas ici, les gars, on tire pas ici, tranquille. T'as dit qu'on allait tirer, on braque, c'est tout. Pas de baseball, hein.
Allez, fausse alerte. Ah, y'a rien dans le véhicule ? En vrai, j'ai pas vérifié un truc. C'est jamais, oh non, hein, c'est si fermé. A... C'est bien jamais fermé qu'il y ait des AK-47. C'est bien fermé à clé. Par contre, au l'entrepôt de nitrogène, j'ai bien vu. Trois camions. Trois ouais, camions. Ouais, ouais. On les a vus aussi, t'inquiète. Hein, Oldzi, on les a vus ouais, aussi. Ouais, les a, oui, on les a vus. Hein, on les a vus, hein. Ça va pas mieux, hein, lui, Oldzi. Non, mais je pense qu'il les a vus, mais qu'ils se sont barrés quand ils les ont vus. On est si impressionnant que ça? Est-ce qu'on peut pas voir de l'autre côté du port? Il faudrait, les gars, mission. Je vais vous me choper des jumelles. Ouais, depuis le pont. Mais genre plutôt des blondes, des japonaises, tu préfères quoi? Quel âge plus ou moins? Ah, tu veux y mettre combien surtout? T'as du mal à trouver un jerrycan. Je sais pas, vous les voilez. Mais c'est du kidnapping? Ah ouais, traite de blanche direct. Je sais pas, tu négocies, tu vois. Mais tu veux des comment? Plutôt des blondes, des rousses, des brunes. Non, des vraies jumelles, des jumelles de vue, putain de merde. Ah ouais, des vraies, de vraies jumelles, ouais. Quelle tranche d'âge? C'est pas où on va trouver ça, hein. Ouais, c'est quoi si les jumelles, c'est quoi? Ouais, à part des. Ouais, des gonzesses, ah, quoi. Ah, y'a une université pas loin du haut, donc on va aller ici. Voir. Je m'en vécu. Ouais, ils sont partis direct dessus, quoi. Mais ils sont où les autres, putain? Ouais, c'est triste, hein. C'est triste, hein. Ils ont tous rempli des fourgons, ils sont pas là, quoi. Mais ils sont où les autres, putain de merde? Ah, c'est pas. Vous êtes où, là? On fait le tour des hangars, pour voir s'il n'y a pas un bin qui traîne. Ouais, ils sont vicieux. Par contre, la porte... Rien du tout. On va passer discrètement près de la raquette, on va voir s'ils sont préparés, s'ils vont bouger ou quoi. Wow. Ouais, discrètement, c'est notre truc, ça, en plus. Ouais. La discrétion, là, on... La discra... Là, ouais, c'est ça. Ouais, la discrimination. Ouais, c'est ça, ouais. Comme... Ouais. On n'a toujours pas vu les rives. Le chemin, il est parfait pour bloquer la route. Hein. Ouais. Sur le pont, là? Ouais. Ouais, vas-y, demande au... Comment t'as dit, là? Au sergent d'armes, c'est quoi, ça? C'est un mec qui... Ouais, il a fait l'armée, en fait. Ouais, je crois, c'est ça, c'est un... Genre, c'est un instructeur, là, tu vois. Ah ouais, il a fait l'arme. Genre, c'est le genre de mec qui t'arrive. Combien tu mesures? Tu lui dis tes trucs, il fait jamais vu un tas de merde jamais aussi. Jamais faut faire ça, hein. Moi c'est ce que je dis aux jeunes du quartier. Hein. Jamais, tu vois, quand tu regardes la pub, tu dis, ouah, t'as envie de t'agringer, mais en fait, ouah. Les gens comme nous, c'est pas fait pour l'armée, tu vois. Essayez de pas parler trop fort. Bon, et bonne petite bombe de peinture là. Commencer comme ça. Y'a rien du tout. Fais quoi, on repasse à Mirror, sinon on va se charger nous, on arrive et on surveille ce qu'on fait. Ouais. J'ai pas entendu, tu peux répéter? Je disais, on repasse par Mirror, s'il y a rien, on va charger nos burritos nous et on va taffer en surveillant. Ouais. Mais tu sais où est-ce qu'on pourrait peut-être jeter un œil avant de faire tout ça, la douane? Ouais, non, les mecs, ils en sont tous. T'as pas vu le nombre de camions? Je
soit qui revenaient tous, là. Ouais, ouais, non, y'a plus personne sur le caillou. Ouais, mais qui dit qu'ils ont pas fait un ou deux allers-retours? Ouais. Ils sont gourmands comme ça, et les mecs. Et on passait pas au nitrogène, voir s'il y a pas les fourgons qui sont retournés. Si, ouais, vas-y, vas-y. En vitesse. Ouais. De toute façon, ça nous fait passer pour un miroir. Ouais. Non, go, ouais. Go, go. Parce que le nitrogène, ça charge vite. Hein. On va en prendre direct sur l'eau. Alors, c'était tout droit, patron. Ok. Le détournement de malade. C'est un raccourci. Ah ouais, d'accord. C'est un raccourci dans le détour. Ah ouais, c'est un raccourci dans le détournement. Putain, c'est bretelles, je me perds tout le temps là. Ah ouais, vas-y, va à droite, mais on est baisé. On va refaire un détour encore. Parce que c'est juste là à gauche. Hein. Mais c'est parce qu'Audi. Ah, sinon, tu peux couper là, vas-y, coupe. Il fait une manœuvre de détournement, Audi, en fait. C'est pour ça, c'est pour voir si on n'est pas suivi. Ah ouais. Exactement. C'était calculé, Audi, hein, oui. Bien sûr. Ah ouais. Big up. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Bouge pas. Lève tes mains. Allez, ça reste là, ça bouge pas. Lève tes mains, lève tes mains. Allez, gentiment, gentiment, tout va bien se passer. Comme ils t'ont abandonné, tes enculés de collègues. Oh bah merde. Putain, qu'est-ce que ça fout là? Touche pas au coffre, touche pas au coffre. Je touche pas, moi. Un peu de nitrogène, des bouteilles d'eau. Vas-y, amène-toi. C'est bon. Putain, en tout cas, je pense que t'es... Qu'est-ce que tu fais, là? Je ramène les voitures. Oh, rien. Je suis en train d'éteindre le moteur. Ouais. Oh, c'est vrai que ça coûte cher, l'essence. Ça vous ennuie si je tape un oeil dans la camionnette? Vas-y. J'ai déjà regardé, le même. Bon, il y a du nitrogène et des bouteilles d'eau. Bon, on va prendre vos téléphones, vos radios, vos armes. Ouais, c'est bon, ça, ils vont pas faire les fous, là. De toute façon, s'ils dégagent une arme, ils se prennent une balle tête, c'est clair et net, ça. Bon, vous foutez quoi ici, les boys? Ton mari, quoi? Ouais, vous foutez quoi de bon, là? Oh, ouais, ben y'a pas de mon avis, je te pose une question là, qu'est-ce que vous foutez là? Prends du nitrogène. Du nitrogène? Ouais. Tu fais quoi avec ton petit nitrogène? On tune des voitures. Tu tunes des voitures au nitrogène? Putain, je savais pas qu'on pouvait faire ça, moi. Ouais, c'est possible. Ouais. Les gars, on peut tuner des caisses sur nitrogène. Ouais, je crois qu'il se fout bien de ta gueule, Audi, ouais. Moi j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Ouais. Moi, tu travailles sur quoi là? Ça, nous on a dans le Hood, on a des gars qui sont allés à l'université, hein. Moi, Audi, tu sais ce que je fais. Ils sont une faction en ce moment. Ah, une faction? Parce que tu vois, moi je vais. Ouais. Je vais pas te cacher avec le nitrogène, moi je fais de la putain de coca. Tu vois, moi je te le dis, je suis cash. Ouais. Je fais pas des caisses, je fais pas des trucs, des n'importe quoi. Ouais. Donc, tu vois, sois franc avec moi. La détournation là, on fait pas nous. Ouais, on fait pas de détournation. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, pourquoi t'as besoin de ton putain de nitrogène? Qu'est-ce qu'il vous êtes pas... Vous avez même pas dit que vous êtes... Putain, on est les putains de blondes, on a pas besoin de se présenter, ça, au moins, bye. Ouais, j'en sais rien, il y en a plein des gars en rouge. Ouais, mais y'a que le nous, tu vois, nous, c'est le rouge sang. Nous, c'est les vrais, tu vois. Souvent imités à maïgalé, comme... Ouais, on n'est pas cette mireur qui prennent dans le cul, nous. T'imagines, tu sais qui prennent dans le cul, ces mecs-là? La dernière fois qu'on les a rencontrés, ils voulaient qu'on les suce. Ouais. Ouais, y'en a qui voulait donner son cul. Il a dit, putain, ils m'ont pas pris le cul, je suis triste. La vie pour la couronne, ouais. Ah, c'est un pianiste en plus, il a fait des études de gars, ils habitent dans les quartiers chics, t'as vu ça? Ouais, d'ailleurs, on a dû le laisser parce qu'il avait un cours de solfège. Bon alors. J'ai une petite bouteille d'eau, j'ai soif. Tu veux toujours pas me dire, est-ce que tu fous avec ton nitrogène? Attends, ils sont sérieux, on va les forcer, hein. Bon, ouais, on fait de la coke. Moi, de la coke, ça fait de la coca, putain, les boys! Bah voilà, ça revendique là! Ouais! Enfin, un peu, ça porte un peu là! C'est quoi, on va avoir un gros souci si tu fais de la coca? Ah ouais? Ouais! Parce que la coca, c'est au blood. Ah ouais? Ouais, faut laisser ça au professionnel, les mecs, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, hein! Tranquille, faites des trucs. Vous avez des couilles, hein. Vous tapez quand vous êtes 8 contre 4. Oh, vous foutez des gens qu'on peut avoir avec chiffre, vraiment, par contre, faut arrêter. Ouais, tiens, voilà. Tu vas fermer ta gueule avec ça, par contre. Je tape qui je veux, quand je veux, où je veux, n'importe quoi. Bon. Tu vois, on essaie de vous poser des questions là. Allons, s'arrache. Laisse-moi rouler.
Putain, on essaie d'être cool et tout, et à chaque fois, il revient sur le nombre, quoi. Y a pas besoin. Ok, je suis au niveau du lac de Mirror. Vous en êtes où? Vous êtes poursuivi ou c'est cool? C'est cool, c'est cool. Un moment, ouais, t'as bien fait aussi. J'ai mon gros Bangala qui a bloqué le volant. Aussi. On va se faire un peu discret avec la zone parking, attends un petit peu. Viens, on monte au-dessus au barrage, je dis non. Comme ça, on peut parler tranquille. Ouais, viens, viens, suivez-moi. On va pas aller au barrage. On va aller sur notre territoire, le petit parking de Vinewood. T'as bien fait, OG. Hein. Ah ouais, non, la putain, là. Et il se fout de gueule, putain, on est 5. Il quoi, il veut que je vienne tout seul le braquer chaque fois, là. Ah ouais. C'était 3, c'est bon, ça se voit. C'était 3. En tout cas, son gars, il s'est barré comme une merde. Ah ouais, c'est clair. C'est pas de aucun faute, honneur. Regarde, et le mec, il sait, genre, il nous connaissait pas alors qu'on s'est éclaté. Moi, j'ai vos gueules, j'ai vos gueules. Moi, je te dis juste un truc. Tu sais, ça fait les pleurnicheuses, mais j'aimerais bien savoir comment ils ont fait pour savoir qu'on venait, sachant qu'on est venu par derrière. Bah ils ont entendu les moteurs, putain, cherche pas non plus, tu vois, les trucs comme ça. Ils étaient juste devant l'entrée. On s'en fout. Ah ouais, moi je m'en fous, mais c'est pour dire, quoi. Ouais, on s'en fout. Du coup, c'est quoi le plan? T'as vu les moteurs de nos tulipes ou quoi? Forcément qu'ils ont entendu, tu vois. Ah ouais. Ouais, en tout cas, c'est bien. On sait qu'ils sont sur la coco maintenant. Il va falloir les surveiller de près, ces enculés. Ah, en plus, ça fait des signaux et... C'est incroyable. Il y a un truc qui me paraît bizarre, parce que le commandant T, il a dit qu'il avait plus personne sur la coque. Pourquoi il nous a parlé des balas au début? Ouais, tu crois quoi? Ouais, c'est ça, il nous a parlé des bolos et tout. Moi, tu crois que tu peux avoir confiance dans une espèce de... Je crois qu'il veut tester un petit peu, tu vois. Il veut voir qui a les couilles de garder cette putain de coca. Ouais, vas-y. Et ça va être les Bloods, les gars, moi je vous le dis. Ah ouais? Bloods, quoi? On va choper, on va exterminer ces enduriens. Et les petits balas, ils ont intérêt à changer de... Ils ont qu'à jouer sur la cour des familles avec les petits champignons. Ils sont pas prêts à affronter les Bloods, moi je vous le dis. Carrément pas. Putain de merde. Sauve-vous. De toute façon, là, il va devoir s'en remettre, ce petit enculé. Ah, ça fait 2 jours qu'on l'a. Et en plus, il se fout de ma gueule. Il est nitrogène pour faire des caisses. Il m'a pris pour un con, quoi. Ah ouais, putain. Avec 5 boys autour de lui, comme lui, il aime bien compter. Putain, tu vois. Par contre, c'est qui a tiré, là? Oh, c'est moi, j'ai fait le pneu. Le pneu de quoi? Des burritos, ouais. Non, là. Il fait que t'es déjà là. Y'a pas besoin de faire ça, tu vois. Oh, ouais, mais c'est faire ça au couteau, hein. Surtout qu'après, tu vois, on risque d'avoir une enquête des cops parce qu'on a des guns. Bah ouais, après, tu vois, on va plus avoir une prochaine. On est le boss gang, on est pas le boss gang. Ouais, mais putain, moi, on est boss gang. Pour moi, Jis, c'était pas un cops. C'était quoi? Le mec, il était habillé en violet. Et juste avant que les cops ils arrivent, il y avait une voiture de. Mais les flics, chez eux, des chemises hawaïennes. Non, mais là, c'était pas une chemise hawaïenne. C'était une chemise violette. Ah ouais, je l'ai vu de mes propres yeux. On y retourne direct. Non, ouais, mais. Non. Vous allez pas me dire qu'il y a un putain de balas qui serait dans une voiture de cops, tu vois. Moi, je pense, Oji, que c'est des triple nine. Ah, ils en sont là. C'est des triple nine. Putain de merde. Donc les gars, vous savez qu'à partir de maintenant, chaque fois qu'on va aller récolter, etc., faut être une bonne petite équipe et se réveiller. Ouais. Et c'est la dernière fois qu'on prend plus de pétards, hein, je vous le dis. Ouais, clairement. Par contre, on va tout le temps se balader breloqué, mais je veux que tout le monde taffe, ok? Ouais. Va falloir produire, va falloir vendre à masse. Ouais. On n'irait pas faire tourner un peu le labo là? Si, justement, mais là ça veut dire qu'on va devoir aller au nitrogène. Là il y avait les cops et tout, avec ce qui s'est passé. Non, nitrogène, j'en ai fait 6 cet après-midi. Ok, donc on va aller chercher de l'acétone. Ouais. On va faire le truc. De toute façon, on sait exactement ce qu'il faut foutre dans les putains de trucs là. J'ai calculé, j'ai mis tout ça, vous vous souvenez? De toute façon, t'as la recette de Tata Michel. J'ai la recette de Tata Michel, je vous l'ai mis là à la baraque là. De toute façon, il faisait le meilleur crack de tout le août. Ouais, donc maintenant les gars. Je vous assure, on va jouer sur tous les fronts, on n'en a rien à foutre. Donc, il va falloir être vif tout le temps. Ah, je peux compter sur vous.
Tu veux même faire des champignons, tout ça, quoi. Quoi? Non, mais on s'en fout. Mais par contre, les gars, s'ils se baladent avec des convois, moi je tape leur convoi, j'en ai rien à foutre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Putain de mec, quoi! Je suis le flic de Beverly Hills, mec! J'en ai rien à foutre, moi! Oh ouais, tu montes dans les aigus ouais. Là, c'est pas ouais, vrai. Ouais, je suis Axel Follet. Ouais, c'est quand il s'énerve ça. Moi, c'est quand vraiment il est vénère. Ouais, c'est vrai. C'est qu'il est vénère. Ouais. Ouais, je suis vénère quand je monte dans les aigus là. De toute façon, toi, tu qui c'est qui va baiser la vache, quoi, en fait, tu vois. Ouais, putain, ouais. C'est vrai, ça j'aime pas les vaches. Non, ouais. Quoi, à bouffer, ça passe bien. Les vaches à rien. Ouais, ça devient trop philosophique pour moi là. Ouais, vous savez quoi, on a rien à foutre de ce qui s'est passé là. On va aller chercher nos petits trucs, on va mettre ce qu'il faut dedans, ouais, on va aller, on va passer, on va aller chercher de l'acétone et c'est parti. On fait ce qu'on va faire, clairement. Surtout qu'on a juste besoin d'aller une fois à l'acétone, vous avez capté. Il nous en faut 39 par putain de yoga. Ah ouais, faudrait que tu me le répètes parce que moi les chiffres. Pff. Ouais, 78 nitrogène, 39 acétone, 24 feuilles de coca dans le yoga. Et le reste, tu prends sur toi. Comment tu fais pour retenir tout ça? T'es vraiment trop fort. Parce que je fais croire à tout le monde que je suis à 2B7 et les gens, tu vois, de faire ça. T'as tatoué la refait sur ton brave Paris. Tu vois, c'est bien mal que tu vois que tout le monde nous prête pour des cons. C'est, tu vois, c'est une tactique. On se fait passer pour des cons, en fait, on encule tout le monde. De toute façon, on a eu quelques... C'est ton tonton qui m'a appris ça. Ils ont été à l'université, les grands frères. Non, ouais, le tonton Chuck, putain, pas toi. Ton tonton, c'était le tata. Moi, c'est tata Michel qui m'a tout appris, ouais. Ouais, c'est devenu tata Michel, parce que pour être discret par rapport aux cops, quoi. Ah ouais. C'est vraiment ouais. Super de la stratégie, en fait. Oh, elle est trop belle! C'est vrai qu'elle est belle. Hop là! Faut décharger, faut décharger. Surtout que tu vois, il est où le gel? Attends, surtout que t'as tiré sur une putain de pause où les cops vont peut-être venir et enquêter, tu vois le délire? Ouais, ouais. Prenez-en 50 chacun, ça va. T'as de la chance, j'ai envie que t'es slasse là, tu veux que t'es slasse? Tu veux que je te slasse? Vas-y, Jay, prends les 50 dernières. Ah, je sais pas, un coup on fait ce qu'on veut et un coup, tu vois, je sais pas moi. Mais non, mais je suis en train de te dire là, putain. Si les cops y trouvent ce petit truc là, on est niqué, on saura plus faire de cam. Ah non, ça se rend un peu pas non plus. C'est... Oups, désolé. Oh putain. Ah, 20 peu. Ah ouais, il faut vider, putain. On en laisse 24 à l'intérieur. T'as fini, Oji? Attends, c'est 24 ou 26? Attention, faut tous les vider, hein. Ouais, mais non, c'est maintenant, ouais. Non, il faut laisser un peu de coca dedans, on vire le lait, c'est tout. C'est 24 ou 26, je sais plus. Je sais plus. Ouais, c'est mais tu veux pas, Oji, qu'on vide tout? On va avec les 4 bins. On va chercher full acétone, comme ça on n'y retourne plus avant un petit moment. Ouais. Ah, c'est pas bête, ça. Ok, c'est comme vous voulez. Comme ça, quand t'es pas là, on en a un peu sur la main. Je vais vraiment finir par prendre des notes, à prendre plein de trucs, moi. Je vais ranger, partir à nouveau. Oji, t'es encore dedans? Putain, j'ai chaud. Vas-y. Oji, t'es encore dedans? Non, je suis pas dedans. Suivant. Bon. Ouais. Bon, c'est bon. Moi? 12. Ouais. Ah putain, c'est le 13. 95. Putain, on fait la queue, merde. Ouais, moi c'est le 13, moi. Ça me rappelle quand on faisait la queue avec la gazelle qui attendait sur le pieu. Ouais, bah c'est ça. Tu parles pas de ma maman? Bah non, c'était pas ta maman. Ah, ça va. C'était une variante, ta maman. Il y avait 30 mecs qui attendaient. Comment ça, 30? Il y a encore quelqu'un dedans? Ouais, et on dit... Après, c'est moi, j'ai le 13. T'as pris ton ticket? Ouais. Je suis le prochain.
Ouais, comment ça va? C'est moi, Levin. J'ai une prévue quand t'es sorti, tu vois là. Il est vide celui-là? Ouais, il est vide. Bon. Ça m'excite presque toutes ces petites fourmis là qui courent dans tous les sens. Ah, celui-là il est plein. On a des fourmis rouges. Pensez à vider le lait aussi. Hein. J'ai vidé tout le lait pour l'instant. Vas-y, après toi. Oh putain, je suis pas sur les barreaux, putain. Faut que je rebouffe. Toc toc toc. Ouais, j'ai presque fini. Ah, ah bon, ça glisse hein, par terre, hein, commence à mouiller trop. Hein. Ouais, on vient de nettoyer, c'est pour ça. Non, c'est bien. Putain, quelle couleur dégueulasse! Regardez ou pas? Et on va pas s'échanger les couleurs, hein. C'est horrible, putain, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça, putain? Sous alcool, ça va vite, hein. Ouais. Ah ouais, c'est trop moche, hein. C'est pour ça que... J'y vais. Quand je l'ai sorti, que j'ai vu que tu m'avais fait ça, j'ai été changé direct. Ouais, mais putain, mais ça donnait pas du tout pareil là-bas, putain, je me suis fait arnaquer par le garagiste. T'as perdu 40 euros, là. Faut dire suivant. T'as pas du suivant. Attendez, je vais le coller. Attends, attends. Attends, je le colle. Attends, 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 recule, recule, recule. C'est ça, on va économiser une quinzaine de pas. Merde, putain, c'est vrai, j'ai pas attendu, j'ai pas pris l'actique. Ah ouais, ça glisse, hein. On fera pas ça tous les jours, hein. C'est bon. Bon, je peux y aller. On se rejoue au Japan, là, je vais changer la couleur. Attends-moi. Bordel, qu'est-ce qu'il fait chaud dans mon bureau. Ça va, Fuda? Je pète de chaud. Je pète de chaud. Attends, comment ça va? Ça
Tiens, comment je fais pour le remettre par défaut? Ça fait quelle couleur là? Là c'est rouge ou pas là? Ouais, non, là c'est pas putain, c'est chromé de merde! Ouais, non, c'est chromé. Mais regarde, à l'intérieur c'est rouge, merde! Tu veux que je fasse les couleurs, Audi, comme les buffalo là? Les tulipes? Attends, je vais m'en sortir. Ah ouais, non, j'en ai déjà pris deux à l'apéro là. Si j'en prends encore une maintenant, je vais faire dodo là. Oh putain, les bikers ils me rappellent, je dis quoi? Qu'il est concentré. Ouais, là, bah là on a pas vraiment le temps de les voir. Tu dis qu'on prend rendez-vous pour demain. Ok. Là, il est bien, il est rouge là. Il est comme la tulipe. Là, il est comme la tulipe ou pas là? T'as un truc pour demain? Ouais, on dirait là, tu crois? Ouais, là il est rouge là. Ah, écoute, tu sais quoi, je t'envoie le numéro du OG et tu l'appelles, d'accord? Ah, on le verra quand tu seras au soleil. Et toi, t'as bu des duves? Ouais, ça a l'air bien. Bon, en fait, c'est, dans ma maison, il fait bon, tu vois. Apparemment, c'est une info importante pour demain, les gars, donc je lui donne ton numéro, OG. Une info importante pour demain? Ouais, tu vois avec lui, ouais, c'est pour ça, il veut nous dire un truc ce soir pour demain. Ouais, sinon, tu vas aller voir. Ah, tu pourrais tenir longtemps comme ça, tu crois? Qu'est-ce qu'il y aurait demain? Parce que... Je sais pas, c'est pour ça, tu vois. Ouais. Là, s'il y a des trucs à décider ou quoi... Là, on doit taffer, c'est chiant. Ah ouais, je sais. C'est rouge, là. Ouais, c'est... Il y a de l'autre côté, à voir. Ça tire sur le violet, j'ai l'impression. Mais... Sur le violet? Non, c'est la couleur. Ouais, c'est rouge, ouais. Ça tire pas sur le violet, on est d'accord? Non, c'est là, c'est bon. Ok, ok. Du coup, je fais quoi? Bah, il m'appellera. Bah, on y va. Bah, allez, c'est parti. Fais quoi là? Chercher l'acétone. Acétone. Ce qu'il y a, c'est que, voyez, on a plus beaucoup de temps pour taffer en fait, c'est pour ça. Ouais. Ah non, je prends pas le yoga. Putain de merde, je me suis fait baiser. Non, ça va, c'est vas-y, bon. Prends, non, ça va, c'est bon. Fonderie. Vas-y, Oji, passe en premier, t'as le yoga. Merde! Attends. Ouais, c'est où? Allô, on dit tampon. Ouais. C'est qui là? C'est un truc. C'est déjà DLS. Ah, ok, ok, ouais. Ah, je t'écoute. J'ai une information là, que j'ai appris là pour vous. Et le problème c'est que. J'en viens ouvrir en face pour vous la dire quand même. Ouais, c'est, la sortie, c'est quoi comme information? Une information intéressante. Okay, on se connaît pas du tout et tu veux me donner une information? Non, si, je crois que j'ai des collègues tout à l'heure. Ah, ok. L'information par rapport à quoi? Par rapport à potentiellement des choses qui peuvent se passer. Des choses qui peuvent se passer. Ouais, tu vois, moi je récolte les informations et puis bah. Ça dépend ce que je peux en tirer, quoi. Ok. Là, je te cache pas qu'on est assez occupé, tu vois. Mais c'est vrai, tu dois se voir avant demain, c'est ça?
Ah, ce serait mieux pour nous carrément. C'est quoi, c'est... On est menacé. J'irais peut-être pas dire ça, mais... Ouais. Je pense que ce serait quand même bon de savoir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok, vas-y. C'est quoi, laisse-moi... Laisse-moi 20 minutes et puis je t'appelle et on se voit, ok? 20 minutes. Ouais, 20 minutes. Ok, vous êtes... Ok, oh, ok. Vas-y, je vais dans ma vie où j'en suis. Ouais, ok, ça marche. Je te rappelle. Allez. Ouais. Ouais. Ça a l'air de puer du cul, hein, moi, je vous le dis. Hein. Ça a l'air de puer du cul, les bikers, je vous le dis. Hein. Soyez dans les informations parce qu'on serait menacés. Qui va nous menacer? Tu vois, c'est pour ça, c'est vraiment bizarre. Ils m'ont envoyé tout seul là-bas. Tu veux pas qu'on aille les voir? On a fait la cétone. Si, je lui ai dit 20 minutes, puis il a l'air très pressé de nous voir, tu vois, c'est... Bah pire, on y va et on enculera nous, hein. Qu'est-ce que je fous, là? Je roule, putain, j'ai envie de réfléchir, là. Faut aller à la fonderie, merde. L'information, il veut pas en parler, même donner quoi que ce soit par téléphone. Tu vois le délire? Ouais, il va absolument nous voir, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je crois que c'était eux qu'on avait croisé à Caillou, là. Attends, ils nous connaissent pas, ils nous ont croisé une fois, ils ont des informations super importantes sur nous. Oui, c'est pour ça, on va aller voir ça après, tu restes au clair. Ils vont au clair, ça va être trop cool, ça. Vas-y, je remplis le yoga, moi. Ok. Tu guettes, Kaiden? Ouais. Ok, on va essayer d'aller vite. Et on fait quoi ici? On prend de l'acétone. On fait de l'acétone, mon gars. Je vais vous fouler des sprays aussi après. Ah ouais, un bon spray là. Numéro préféré? Ah ouais, c'est 12. Merde, attends, je suis pas plein. Putain, ouais, non, attends, viens. C'est moi qui déconne là. Là, j'en ai 20. Là. C'est parfait. Au revoir. 75 représente. Vas-y, 93, moi, ça me vient. Ouais, carrément. Vas-y, merci. 93, il a dit. Ouais. Super. Ok, non, non, allez, pousse-toi. C'est moi. Ah, si. Quoi, il fait chaud par chez toi, Fluda? Ouais. On dit, c'est beau. Ouais, je sais. Il accepte pas les pesos, lui? Non. Ça va pas trop dur? Oh, ça va, ça va. Allez, tout est plein. Maintenant, sur nous. Bah, attendez, oui. Vous allez repasser après. Bien entendu, je vais vous donner au fur et à mesure. Après, repasser chercher des bonbonnes. Vas-y.
Poche remplie. Ok, bouge parfait. Pas. Bouge pas. Dis à Kaiden de venir chercher sur un peu les poches. Attends, je vais te filer des trucs. Des petits sprays. Kaiden vient de remplir les poches. Ouais, j'arrive. Super. Merci. Ouais. Kaiden arrive. Le 95 est demandé. Attends, là c'est toi, putain. Vas-y, Oji, fous-en plein les poches. Hein. Je sais que t'aimes bien me palper. Putain, t'emmerdes. Vas-y, c'est bon. Parfait. T'en revenez, je vais vous filer des balles aussi, tant que je suis là. Ouais, venez. Ouais, bah je pourrais prendre combien 60. Oh, bah j'ai pas assez de thunes, façon. Ah ouais, de toute façon. Ah, j'ai 49 balles sur moi. Je suis avec des petits packs de 30, j'ai plus assez de thunes. Ok. Il va vraiment falloir faire rentrer de la thune. Bah ouais. Allo, Sarah. Toujours le Yuga devant. On va déposer les bines et puis on prend les caisses et on va voir les bikers là. Ah, doucement. Je sais pas ce qu'ils ont tort à nous dire, on les connaît presque pas. Ah, la musique s'est encore coupée. Tu peux appeler le biker, dis-lui qu'on arrive. Ouais, ça marche, il envoie une pause ou on envoie? Mais je suis pas ici, je sais pas, appelle-le. Ok, je vois avec lui.
On va où? Ouais, c'est bon, on est dispo là. Ouais, on est dispo là. Bravo. Ouais. Tu veux venir chez nous du coup? Quoi? Dis-lui qu'on leur envoie une pause. Je veux pas qu'ils s'assurent. Vas-y, on t'envoie une pause, t'inquiète. De toute façon, il sait, là. Enfin, je crois. Ok. On va dans notre petit parking, là. Ça va devenir notre petit parking à un rendez-vous. C'est juste à côté, là? Le truc de Vinewood, là, que on a été tout à l'heure. Devant le grand cinéma. Ouais, la Maze Bank. Non. Non, c'est pas trop. Devant le tatouage. Là, ça fait semblant que je sais, tu vois. Qu'est-ce qu'il m'a posé? Attends. Ralenti, c'était marqué quoi là? C'est Blood. Ah ok. Ouais, c'est Five qui a tatoué moi. Qui a graffé un peu partout. Blood gang ma gueule. Ouais, juste ici à droite. Ensuite c'est à gauche. C'est au-dessus? Ouais. Oh, cul-de-sac, mais... C'est un cul-de-sac, mais on voit partout sur chaque côté. Et s'ils doivent monter, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Allez, je lui envoie la pause. Attends. Oji, si là, ils viennent nous faire un traquenard, on est moulot, hein. Il n'y a pas de porte de sortie ici. Ouais, mais eux non plus. Ouais, ben, eux, ils auront la descente, quoi. Nous, on va être baisés. De toute façon, c'est nous qu'on les sort, si jamais. Ah, y'a moyen de prendre la hauteur en plus ici. Hein. Faites regarde, tu vois. T'es là ici. Et direct s'ils font les cons, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ils vont pas venir faire les cons tout de suite. C'est-à-dire, ils vont pas venir faire les cons tout de suite? Bah, ils vont pas venir genre pour te braquer dans la voiture. Ils vont arriver, ils vont te parler, ils vont te braquer. Et là, on est sec là. Ouais, mais s'ils nous braquent, on va pas partir au courant de toute façon. Ouais, mais ouais. Mais on a pas de, ah, si on... braquent, on a pas de porte de secours quoi. S'ils viennent avec les cops ou quoi, on est finito là. Pourquoi ils viendraient avec les cops? On les connaît à peine, putain, ces enfoirés. Je sais pas. On est menacé apparemment. De toute façon, s'ils viennent avec les cops et qu'on les emmerde, on les enculera. C'est pas un truc pour faire des traquenards, tu vois, c'est notre petit lieu de rendez-vous. Je sais pas pourquoi ils voudraient aller nous baiser, ils nous connaissent pas. Pareil, nous avons vu sur Cryo tout à l'heure. Pourquoi il vient croiser les boss? Pourquoi il vient tout seul, le gars? Moi, il m'a non, pas. Je pense qu'il va venir avec sa smalin, je pense. Ouais, je pense pas, je sais pas. C'était pas le chef. Hein. Il m'a dit qu'il avait des infos importantes et compagnie. Et... Ouais, mais justement, peut-être qu'il était. Moi, je t'ai dit, on avait un gros groupe de bikers tout à l'heure sur Cryo. C'est peut-être eux. Hmm. Ouais, si, il y a des gars qui se mettent au quatre coins, on les voit arriver. On voit combien ici, si y'a que des cops, etc. Tu veux que j'aille voir aussi? Non, reviens, ils arrivent là. On a entendu. Putain, faut que je me remette sur ma radio. On a entendu des pneus là, non? Comment ça va, Momo? Je sais pas ce qu'ils veulent. Moi, j'aime pas les bikers, je vous le dis. C'est pas confiance non plus. La plupart, ils peuvent pas blairer les afros. En plus, il a dit qu'il voulait monnayer son information. Je crois qu'on va lui faire cracher plutôt. Super. C'est quoi? C'est un peu comme une box surprise, t'inquiète, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Je sais même pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme information, tu vois. Pour demain. Bon, c'est ça le truc. Pour demain. Pourquoi pour demain? Il y a des mecs qui comptent tout taper demain, c'est ça? Et y a quoi demain? Que ce soit en panique, putain. Mais du coup, on perd de la prod là. Et je suis sûr qu'il doit y avoir des mecs qui doivent faire chauffer les labos là.
Ouais, ou alors c'est fait exprès, tu vois, ils vont venir à 2-3 pendant qu'eux ils sont... Ah, ils sont en temps. Ça arrive. Passons comme je vous dis, si on se fait baiser, on les baisera. Ils sont plusieurs. Moi t'inquiète. Tu vois, ils viennent à plusieurs mecs, comme je te dis. Ouais, ils sont... Ah, ils sont au moins deux, hein. Sors les gars. Ouais, ça ouvre. Ouais, salut, ouais. Soit vous avez choisi le bon côté, on a le spy dans la gueule. Ouais, ouais, c'est vrai, mais ça va vous faire bronzer un petit peu, ça va changer. Lâchez vos armes, les gars, on a rien. C'est pas venu à ouais, je sais pas, on se connaît pas trop, tu vois. Ouais, disons ouais. Qu'on a eu des différends un peu dans la street aujourd'hui, tu vois, donc on se méfie, on est sur la garde. Avec qui? Ouais, avec divers personnes. Ok. Bon, c'est quoi ces fameuses informations? Donc avec deux armes et une patte sortie, les gars. Quoi, c'est comme ça, c'est... Oh, ça t'effraie, ça. Ah non, les gars. Non, c'est comme ça, on se protège. Ouais, c'est pas pour vous, les gars, je vous expliquais pourquoi. Ouais, on a des petits soucis avec... voilà, des gens. Ah, ces gens-là, c'est pas nous. Ouais, non, mais justement, tu vois, nous, on se connaît pas encore, tu vois. Y'a rien qui nous dit que tu travailles pas avec eux. Quand je commence à courtiser une petite... quand je commence à courtiser une petite gazelle, tu vois, je la surveille un peu, j'envoie un mec là-dessus, histoire que... voir si c'est pas une tepue ou pas, tu vois le délire. C'est pas un mec non plus, quoi. Hmm. Bon, alors, je t'écoute. Bon, du coup, j'imagine que vous avez différent avec des gens. Ouais, bah c'est un peu comme tout le monde, je crois. C'est pas vrai, c'est vrai. Potentiellement, j'ai une information pour demain soir. Demain soir? Ouais, demain soir. Vous êtes tous là demain soir, j'imagine. On est quand demain soir? On est... Je sais même plus quel jour on est, putain. C'est la weed, bordel. Dimanche, oh Dieu. On est dimanche, putain, c'est vrai. C'est le jour des patates au beurre. Ouais, j'adore ça en plus. Qu'est-ce qui se passe demain dimanche? Apparemment, j'ai l'impression que votre quartier il est un peu demandé, quoi. Comment ça, il est demandé, notre quartier? Qu'est-ce que tu racontes là? Après, je sais pas. Bah, vas-y, tu viens là pour nous dire des trucs, parle. Bah, moi je suis les informations, mais je pars pas repartir les mains vides, les gars. Ouais, tu repartiras pas les mains vides, mais ça dépend des informations. Putain, je suis un mec de parole, si les informations sont fondées, putain, t'auras quelque chose. T'imagines le temps qu'on perd, là? Ah putain, on perd du fric, là, putain, y'a tous nos clients, ils se font harasser par des autres, là. Bah, justement. Ah, tu parles d'une potentielle zone de revente, alors? Ouais. Ah, je crois que tu parlais carrément de chez moi, tu vois, mon hood. J'ai peut-être d'autres personnes qui veulent prendre votre quartier pour vendre tout ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Ils veulent vendre exactement ce que vous. Ouais, les ballasses. Ouais, les ballasses qui sont sur la coque et qui veulent revendiquer Vinewood, ça on sait déjà. Ouais. C'est les pleureuses, ça, les ballasses, non? Ouais, c'est eux, ouais. Ah ouais, je me souviens. Et c'était ça, les informations que tu voulais me donner? Enfin, je me suis dit que c'était intéressant quand même pour vous, non? Ouais, mais tu vois, on est déjà sur le coup. Mais tu sais quoi, comme t'es venu me donner, je vais te filer un petit truc. Par contre, j'ai que cette monnaie. C'est quoi ton petit numéro préféré? Le 9. Tiens, voilà. Tu sauras quoi faire avec, je pense. Ouais. Vas-y. Tu vois, je t'ai dit, là. Même si je la connais, cette information, le fait que tu sois venu m'en parler, ça ouvre la porte à d'autres négociations, tu vois. Des futurs bises et compagnie. C'est pour ça aussi que je vous donne ça. On se connaît pas, on n'est pas là pour... On va dire qu'on avait les yeux et les oreilles partout, quoi. Ouais, je vois. Et du coup, c'est quoi, genre, demain soir, écoute, on va y revoir nous, non, c'est ça. En gros, c'est ça. On va les attendre. Bah, il va déjà falloir qu'ils soignent un petit peu. Il serait temps qu'ils viennent, hein. Parce que bon, ils ont été très agressifs, très nombreux et que qu'ils allaient venir vendre sur votre quartier en vous attendant, quoi. Ah, faudrait qu'ils viennent au moins le triple de nous, hein, ouais, parce qu'ils sont vraiment pas futés. J'espère que vous entendez pas, c'est les genoux qui claquent un contre l'autre. Hein. Ouais, c'est vrai, putain, tu sens la peur qui monte. Ah ouais, franchement, on les a vus déjà tout à l'heure, ils étaient quand même bien chauds déjà avec... ah ouais, nous aussi, on les a vus. T'inquiète, ils étaient beaucoup moins bien chauds. Ouais, t'inquiète pas. Il est possible qu'il y en a un ou deux qui soient partis à l'hôpital. Ouais. Vous êtes allés sur votre champ, là, ce soir? Disons qu'il aime bien faire des maths. Ouais, je crois qu'on s'est croisés sur Caio, non? Ouais. Non, mais je pense qu'eux, ils étaient aussi. Ouais, on les a croisés sur le pont, tu vois. On n'a même pas eu envie de les taper, on s'est dit... Ils nous font de la peine, on va laisser se faire un petit peu d'oseille. Ok. Et du coup, c'est quoi? C'est puis de toute façon, c'est plutôt du genre à nous raconter un peu des couilles, tu vois.
Disons qu'en All Shop sera sur certains endroits, il me fait croire qu'il fait des caisses avec. Tu sais, c'est comme si... Ouais. Toi, tu te revendiques un petit lionceau, mais en fait, t'as un petit chat que t'aimes bien qu'on te gratte le ventre. Ouais, tu fais miam miam. Il a dit que t'étais un petit chat. Mais non, il parlait des balasses, putain, hein. Ah, c'est pas de suivre, là. Okay. Ouais, mais ouais, putain, y a beaucoup de merde. De mots dans les phrases, là. Et vous êtes sur quoi? Moi, je suis sur la coca. Je peux pas m'en cacher. Non, sur les champignons. Non. Les champignons, ok. Et vous avez des petites zones de vente, etc. C'est nous, on vend pas. On vend à d'autres qui revendent. Ok, ok. Ouais, on n'est pas les petites merdes, on veut juste... Ah, ça veut dire quoi, des petites mains? C'est quoi, ça veut dire que quand on vend de la rue, on a des petites mains, c'est ça que tu dis? Je t'assure que j'ai des grosses mains pour branler mes grosses couilles. Tu vois ce que je veux dire? Moi, nous aussi. Hein. Ouais, ouais, tu vois ça. On branle tous les couilles du président ici. Hein. Ouais. Ah ouais? Quoi, il a des bonnes grosses couilles, le président? Ah bah, faut les vider, hein, je peux le dire. Oh, ça claque. Ça claque. Ouais, ça claque même plus, là, ça fait... ça fait des trous dans le... Ah tiens, à propos, j'ai une question pour toi. Tu vois mon mec ici tout à l'heure, là? Il m'a dit qu'on avait besoin d'un sergent d'armes. Non, quoi? Un capitaine de route? C'est quoi, capitaine de route? Ouais, tiens, il est là à côté de moi, là. Ah, explique-moi un peu, c'est quoi, capitaine de route? Je crois qu'il arrête pas, il s'est endormi tout weedé sur des reportages, là. Ça lui a monté le cerveau. Je croyais qu'il avait moins des reportages militaires, sur la mécanique de moto et tout. Et vu que tu m'as parlé de président, je sais pas quoi tout à l'heure. Hein. Ouais. Je suis carré. Bah, le capitaine de route, c'est celui qui fait la route, quoi. Y'a pas. Ouais. Ah ouais. Attends, tu mets du bitume, quoi. Tu vois, quand on est arrivé, c'est garé comme ça, on s'est tous garés. Ah ouais, ok. C'est lui qui décide de tout, comment on fait. Et tu vois ici, ah, hein. Il est pas droit, tonton. C'est moi le patron. Mon petit gars, Jay, là, tu vois. Je crois qu'il c'est le chorégraphe, il est un peu fan des bécanes. Vous vendez des bécanes, vous? Non, non, c'est les autres bikers, ça. C'est ceux qui roulent en voiture. Ah, il y a des autres bikers. Ah, des bikers qui vendent des bécanes qui roulent en voiture. Oh putain. Alors, nous, on se revendique comme étant les seuls bikers de cette ville parce que tous les autres, c'est un peu des rigolos, quoi. Ah ouais, ouais. Moi, je vous assure, j'ai vu que vous pour l'instant, ouais. Ouais, bah c'est pour ça, c'est ce que je te dis, parce que les autres ils sont en voiture ou en tricycle alors. Regardez-moi, c'est pas beau ce magnifique coucher de soleil là quand même, putain de merde. Ouais, c'est joli. J'ai pas choisi ce bel endroit quand même pour rien, les gars. Donc tout ça c'est votre quartier là en bas, j'imagine. Ouais, 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 Vinewood et Rockford. C'est un peu la connerie. Ouais. La dernière fois, on a reçu un camion avec 50 de cocaïne dedans là. Ça peut être intéressant. Ouais, non, pas du tout d'idée, non. Je sais pas d'où ça vient. Après, si tu veux t'en séparer, on n'est pas contre la récupérer, nous. Hein. Ouais, on peut te la racheter. T'inquiète. Ça coûte combien la coke dans la rue? Ouais, dans la rue, je dirais. C'est variable, tu vois, ça dépend du client, de ce qu'ils ont besoin, de la qualité, de la pureté. Du quartier, j'imagine. Ouais, je dirais plutôt. Combien on vend ça, nous, les gars? $150, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça. Ouais, $150 max, un truc comme ça. Ok. Ah, $150 max. Ouais. Ouais, on est presque pareil. Ouais, quoi, c'est vous fourguez la même chose c'est quoi, vos champignons, c'est ça? Ouais, nous c'est des bières, nous c'est les Hell's Beer. Les Hell's Beer. Ouais, c'est ça. Sauf qu'elles sont un peu particulières, quoi. Ah ouais, ouais. Putain, il me semble que j'ai déjà goûté un truc comme ça. Moi, c'est... On m'a servi possible. Ça à l'Unicorn, je crois. Ouais, c'est ça, c'est possible à l'Unicorn. Parce que je te dis, nous on vend pas aux petits dans la rue comme ça, nous on vend aux gros qui après vendent aux plus petits, quoi. Ah ouais, ok. Un peu les fournisseurs. Ouais, mais si t'as des stocks ou quoi, admettons que j'ai envie de te racheter un petit peu de ton petit breuvage là, tu me le feras combien à l'unité? C'est pour toi, c'est pour revendre? Ouais, c'est pour revendre. Pour revendre, on part sur un prix normalement à $100. Ouais, $100. Ouais, c'est ça à peu près. Bah, tu sais quoi, pour demain, tu peux me faire une petite cargaison de 50, histoire que je teste un peu sur le terrain, voir si les Yankees sont intéressés. Ouais, je pense que ça peut se faire. Ouais. Je te tiendrai au courant demain, parce que je t'avoue que... Ouais. Ouais, y'a pas de problème. On passe pas toutes nos soirées. Si c'est pas demain, tu vois, c'est lundi, histoire qu'on part sur un petit accord commercial, tu vois le délire. Ouais, c'est ça, je prends la commande et dès qu'on a, de toute façon. Ouais, on a déjà une petite quantité au bureau, mais on garde quand même un petit peu, on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, bien sûr. T'avais parlé de cocaïne aussi, non? Bah, on en a 50 qu'on a reçu, mais le problème c'est que aujourd'hui je veux pas forcément m'en débarrasser, parce que si demain quelqu'un vient en disant j'ai laissé mon camion de 50 cocaïne devant et que je sais pas qui c'est, si c'est le commandante qui passe et qui nous demande ça. Ouais, tu vois, on sait pas trop. Bah, il est peut-être pas obligé de le savoir. Quoi, des gros gaillards comme vous, vous avez peur d'être commandanté, vous aussi? Bon, on va dire que c'est lui qui gère aussi nos champs, quoi. C'est vrai qu'il peut le mais couper le la business. La vraie question, c'est qui c'est qui a vu le camion? Moi, perso, je l'ai pas vu. C'est vrai, ça, quel camion? Moi, j'ai pas vu de camion non plus. Ouais. Je sais pas, on verra. Par contre, les billets considérés, ils seraient bien réels, tu les verrais bien. Ouais.
Et puis ça pourrait être les Boots qui ont trouvé ce camion aussi. Mais du coup, vous rachetez combien la cocaïne si je vous la revends à vous et pas aux autres? Ouais, ben si tu la revends à Lou, je te la rachète. Comme ça, j'en puis 100 balles, tu vois, histoire qu'on se fasse un petit bénéfice. Surtout ouais, que toi, c'est tout bénef là si tu l'as trouvé. C'est quoi, c'est 50 pochons ou 50 feuilles? 50 pochons. Ouais. Ouais, comme ça, c'est déjà tout fait. Moi, je pense 90, c'est un bon tarot. Ouais, pour des. Toi, c'est tout bénef. Ouais, c'est vrai que tu l'as pas fabriqué, c'est vrai ça. Ouais, ouais. Ouais, ah, puis on peut mettre des bons clients, tu vois, c'est. Je verrai si je trouve meilleur client, du coup. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais par contre, ferait con que l'histoire du câble remonte, tu vois, du coup. Ouais. Non, ça fait 4 500 Ça fait 4 500 dollars directement dans tes c'est poches. C'est ça, plus les 5 000 et tout, tu vois, tu te fais 10 000 dollars comme ça, cash d'un coup, et personne n'a jamais vu le camion. Ouais, je sais pas, je verrai bien. Ouais, de toute façon, c'est pas moi qui décide de tout ça, c'est le président qui... Ah ouais. Ah ouais, vous ouais, faites quand vous votez et tout là. C'est ça que t'as vu dans le reportage, non, Jay? Ils votent et tout là. Eh, tu crois pas que le président. Eh, tu crois pas que le président il serait content que tu fasses rentrer 4 500 quand il est pas là? C'est vrai ça? Bah, sans emmerde, sans rien. Vas-y, on se que... 4 500, c'est pas non plus une grosse somme par rapport à potentiellement ce qu'on peut risquer derrière. Ouais, mais tu préfères pas dessus quand même. Mais qu'est-ce que tu risques? Tu risques rien du tout. Tu risques 4 500. On vous débarrasse d'un poids en plus. Te faire enculer le camion. Vous savez pas quoi faire avec. Bah, c'est pas vraiment un poids qu'on a, c'est juste. C'est un carton qu'on met dans notre coffre quoi. Le mec il. Mais on verra. Il crache sur 4 500 dollars. C'est vrai, tu vois, imagine, je sais pas, j'espère que vous l'avez planqué correctement parce que. T'imagines les gars qui vous l'avez tapé ou vous l'avez trouvé. Ils commencent à rôder et ils pensent que vous allez se baiser. Vous allez rentrer, vous allez perdre plus d'oignons, de pognon, putain de merde. J'ai envie d'oignons, j'ai la dalle, c'est pour ça. Et imagine, y a les ils entendent, ouais, il y a les bikers, ils ont de la coke, normalement ils sont sur les champis, tout ça, tout ça. Oui, bon après je peux venir aussi avec les violets demain, quoi. Ouais, bah, fais ce que fais comme que bon te semble. Mais j'espère que c'est pas trop des menaces, quoi. Ah, et toi c'est quoi alors, du coup? Bah, c'est pas des menaces, c'est pas des menaces. Je te dis juste que ça serait dommage que tout le monde que t'ailles voir des groupes pour leur dire on a de la coke à vendre et que c'est, ça soit des bouches un peu plus ouvertes que les nôtres. Ouais. Moi je te menace pas. Par contre toi tu c'est quoi, je le sens comme un peu comme une menace. Tu vois, en fait on essaie de t'aider là, tu vois, de te débarrasser de ce camion directement là. Après j'ai pas besoin d'aide. Ouais, bah si t'as pas besoin d'aide, c'est tout. Je vous parle de ce que j'ai, je vous ai parlé juste que j'avais de la cocaïne parce que j'en ai reçu, je voulais savoir si vous avez des informations là-dessus. Ouais. Non, les informations on en a pas, non. En tout cas ça vient pas de chez nous. Ok. Donc ça peut venir que d'ailleurs. Bon, de toute façon je prends en considération ce que vous m'avez dit et puis... Bah, c'est... Voilà, c'est pour partir sur de bons termes les gars. Ouais, bah carrément. Ouais, tu vois, on a essayé directement de sortir les pieds du pied de ce truc là, tu vois. Tu te fais du blé direct, pour le camion il disparaît. Ouais, c'est pas ébruité, boum. Tu te fais ton blé, nous on fait notre blé, le camion il est brûlé tranquille. Oui, de toute façon, notre but c'est pas de prendre ce marché de la cocaïne, on en a rien à foutre. Ouais, bah tant mieux ça. Ah, c'est notre spécialité, ouais, clairement. On a des professionnels. Ouais, on a Papa Michel, tout ça qui fait ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde quand même sur cette spécialité. Hein. Mmh. Ouais, pour là, ça me fait pas peur. Je pense que il va y avoir de moins en moins de monde. C'est qui là qui gère ça à la base? Ouais, c'est là-bas, c'est les Boots Gang! Boots Gang, ma gueule! Ouais, à partir de maintenant, c'est les Boots Gang. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, tout ce qui va passer, toute la cocaïne qui va passer, etc. Maintenant, les gars qui voudront essayer de refourguer. Ouais, on gère tout là-bas. Ouais, ce sera compliqué pour eux, quoi. Ouais. Ok. Bon, bah, tant mieux. Ouais. J'ai pas plus de choses à vous proposer, les gars, pour le moment, mais. Vas-y, tu sais quoi, donne-moi plutôt le numéro, parce que là, je l'ai pas sauvegardé et ça me fait chier, j'arrive pas à l'enregistrer, là. Vas-y. C'est John 99 59. Ok, c'est noté. Vous avez pas un autre numéro ou quoi là, si jamais on doit contacter quelqu'un? Le numéro du président, comme ça c'est fait. Président. Président. Ouais. Carrément. Il est où là ici? 30-34. Ouais, ça 30-34, merci. Ou alors, tu vois, si carrément, tu vois, je suis parti sur une bonne entente. Si par exemple, t'as un petit mec à choper ou des informations à vouloir récupérer ou quoi, ça peut peut-être s'arranger, tu vois. Moi, je t'apporte ces informations ou ce gars et en échange, tu me files les petits pochons de coca. Tes petits gars m'ont déjà parlé de ce que vous faites aussi, donc.
Ok, ils t'ont parlé de quoi? Vous avez parlé de quoi, les boys? Oh, juste des tout et de rien, quoi. Ouais, on discute tout et rien. Ouais, en tout cas, sache que tu ne deviendras jamais pote avec des autres gangs de rue. Jamais. On n'est pas ce style de gars à faire copain-copain et à jouer à la marelle. Ouais, c'est comme avec les bikers, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, si je peux, peut-être que si un jour j'ai des informations sur d'autres bikers, tu serais intéressé. Ouais. Pour le moment, ça va, ils sont calmes, on va dire. Ah ouais. Ouais, bah, justement, il faut réveiller un peu. Ils sont en caisse. Ouais. Bah, ceux qui habitent à côté de vous, là, ils sont en caisse. Ah, il y en a qui s'habitent à côté de chez nous. Bah, le concessionnaire moto, là. Ah ouais. Ouais. C'est eux qui se baladent en caisse. C'est des concessionnaires moto, mais ils roulent pas en moto. Donc, ah bah, tu sais quoi? Je crois qu'on va aller chercher une moto gratos, Jay. Ah ouais. Ouais, je pense qu'on va aller chercher une moto gratos. Ouais, tu vas être le capitaine de route. Capitaine Jay. Vincross. Ouais, la petite Kawa là qui vient de sortir. Il est souvent ouvert son concessionnaire là. Bah écoute, je sais pas trop. Et du coup, vous avez des crosses et tout. Parfois il est là, parfois il est ouvert, parfois il y a personne, on sait pas trop. Bon, tu le croiseras bien une fois. Quoi. Ouais, bah je le croiserai quand j'irai récalmer ma moto. Ça, ouais. Ça permettra de faire connaissance. Exactement. Bon. Ah, c'est parfait. Et toi, en échange, n'hésite pas si t'as des petites infos sur. Sur des gars qui traînent un peu sur la coca, tu vois, et moi si j'en ai sur des gars qui traînent sur les champis, il y a peut-être moyen d'échanger, tu vois, commercialement là-dessus. Bien sûr, il n'y a pas de souci, de toute façon, on a les yeux partout généralement. Ouais, c'est vrai. Pas de soucis, souvent dans les décolletés, je t'avoue. Ah, bah. C'est la spécialité de Alejandro, là, tu vois. Ah ouais. Tout à l'heure, on était à Unicorn, il y avait une fille qui dansait, elle était dessus. Elle a donné, je pense, au 20 000 dollars. Putain, nous, l'autre fois, on a été à l'Unicorn avec des gars et des grosses. Ouais, ouais je suis d'accord, plus de rembourrage pour le bourrage, mais là c'était vraiment trop flippé, putain, on aurait dit des charpés, c'était horrible. Ah, tu sais plus où il aurait fallu le hood entier. Ouais, c'est clair. Ouais, mais tu peux les baiser là, partout. Non, mais là ce soir c'était un truc spécial, parce qu'il y avait, c'était un acteur porno et il y avait des meufs dans le groupe. Ah ouais, un acteur porno. Ouais, un peu vieux, ouais, un peu bizarre d'ailleurs en ce moment. Mais... C'est pas le patron là, le dom. Je sais plus. Un papy. C'était un vieux. Ouais. Papy porno, putain de merde. Celui qui a joué sous 20 000 vieux sous grand-mère. Tous des vieux pervers, le papy. Ouais, chaque fois la VHS. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, on a regardé une fois et c'est bon. Si jamais trouvé la grand-mère, j'ai zappé. Ok, très bien, les gars. Ouais. Bon, allez. Ouais, allez, so whoop. Allez, so whoop. Allez, soirée, les gars. Les gars, avant de prendre des caisses, regardez un peu partout à droite à gauche, par-dessus le parking. On sait jamais qui serait de pêche avec ses ballasts, tu vois. Ah ouais, carrément pas si. Yo, Scorg, comment ça va? Ouais, moi aussi je crève de chaud là. C'est bon, on peut aller. Bon, allez, on va essayer de taffer un petit peu vite fait là. On fait quoi du coup, G? En tout cas, bon, on va aller taffer un peu là. Ouais. On va essayer de faire un peu de fer à quelques tours. On met une tournée ouvre des trois yoga, tu vois. Trois burritos, des trois bignes, trois camionnettes. Fourgon. Bus. Van. Mule. Mulette. Anne. Ouais, mais on est déjà de retour, t'as vu mon Angstar. Annette. Comment ça non, va? Ça marche pas. Là, on revendique tout. On revendique tout, Scorl. On tape tous les autres groupes, les gangs, les compagnies, les bikers et tout, on va tout taper. Et on refait de la coca. Donc on sait comment ça marche bien. Bon, on fait tes calculs, Audi. On va décharger les. Ok, bon, vous me laissez chaque fois 39 acétones dedans, tout le reste vous dégagez. Attention, je le colle. Attendez-vous. Ouais, j'adore quand ça colle. Vous mettez 26 feuilles de coca, 39 d'acétone,
Et 78 nitrogènes par truc, et le reste, vous vous chargez à mort sur vous. Ah, pourquoi tu peux plus jouer pour l'instant? Ça explose plus. Non, ça va, on a la bonne recette. Combien de combien à chaque fois? Ok, je répète. 39 d'acétone, 78 de nitrogène et 26 de coca. Dans chaque burrito. Ensuite, vous vous bourrez de chaque matière sur vous. Et puis on dégage. C'est bon? Non, je suis là. Déposez une trentaine de munitions aussi chaque fois. De ce qu'on a pris tout à l'heure, ce que je vous ai acheté là. Ah, ok, d'accord. Au pays? T'habites dans quel pays? Oh non, putain, casse les couilles. Eh, ça donne trop envie de pisser les coffres du... Ouais, en fait, c'est quand tu bouges, tu vois. Si tu bouges, c'est la merde. Ah ouais. Faut jamais bouger quand t'es dans le coffre. Putain. Putain de merde. Je suis coincé dans les barreaux. Je suis en forme de Russie. Ah ok, donc là t'es reparti en Russie du coup. Pat, vas-y à plus score, bonne nuit. Pas trop dur pour aller en Russie. Tu fais comment? Il y a encore des avions et compagnie. Ron essaie de faire venir ma grand-mère, mais tu connais, pas facile de convaincre les anciens. Et les papiers, une galère. Ah ouais, tu m'étonnes. Surtout avec tout l'embargo de merde qui est apposé. Hein. Pourquoi faut y aller en voiture, non? Bah j'espère que ça va aller, hein. J'espère que ça va se passer, Morning. Je te souhaite le meilleur. Ah bah non, ils ont pas compris. Je crois. Quoi, ils ont tout vidé? Mais non, mais il y a 100 acétones là-dedans. Ah mais c'est parce qu'on est en train de le vider. Faut en laisser 39. Comment? Le nœud d'aller à passer la barre Serbie, deux avions, oh putain. Ouais, oh, c'est un gros bordel quoi. Bah j'espère que ça va se passer hein. Audi, répète-moi juste un coup, les quantités. 39 d'acétone, 78 de nitrogène, 26 feuilles de coca par yoga et le reste tu prends un fond sur toi en partant. 79 de 78 de nitrogène, 39 d'acétone et 26 de feuilles. Bah ouais, bien vu.
putain, à chaque fois faire la file. Ah oui, j'avoue. Hein. Prochain. Ouais. Ouais, ah, d'accord. Tu sens mon souffle chaud. Elle se prend 50 nitro. Ouais, bah souffle pas trop fort dans mon cul. Vas-y, bonne soirée, mon ami. Non, tu charges, vous chargez, putain de merde. Je vais encore le répéter. Hein. Dans les burritos, vous chargez 78 de nitrogène, 39 d'acétone et 26 feuilles de coca par burrito. Ensuite, vous revenez ici, vous vous chargez au max de tout. Dans vos poches. Je peux y aller ? Non, j'ai tout compris. Non, suivant ! J'ai vraiment tout compris. Tout à l'heure, j'ai été deux fois. T'es, c'est pas compliqué, putain. Bah, si, un peu. Mais quand même. Oh, ouais. Ouais, bah, en fait, les burritos, c'est la même couleur que ta chemise. Jolie coiffure, par contre. Merci. Les lunettes, non ? Non. Ouais, les lunettes aussi, ouais. Ah, ça va, ça. Ouais. C'est bon, je peux y aller ? Attends, putain, je vais t'arriver. Nitrogène, il est où? Yo, j'ai là-bas, comment ça va? Ça, c'est parfait, ça. Voilà. Là, c'est nickel, ils ont compris. Ouais, ça va, tranquille. Ah, y'en a trop ici. Ok. Ouais, y'a trop d'hydrogène là. Et ensuite, vous prenez. Ensuite, sur vous, vous prenez 20 feuilles de coca, 55 de nitro et 50 d'acétone. Donc, il a dit quoi, la 20 sur nous ? 20 feuilles de coca sur toi. Tu prends 55 de nitrogène, c'est le max que tu peux prendre, et tu prends 50 d'acétone. S'il y a assez de nitrogène, hein, dans ok, le 55 et 20. C'est bon ? Moi j'ai déjà 55 de nitrogène. Ouais, pardon. Et il y en a 6 en trop dans un des burritos. 55. On vous attend, venez. Facile, hein. Ouais, c'est facile. Il y a encore quelqu'un dedans là. Ouais, c'est mon tour. C'est bon, je peux y aller ? Non. Attends, putain, c'est moi après. J'ai plus qu'à prendre de l'acétone. Tiens, je te la donne. C'est quoi ton numéro préféré? Pourquoi? Pourquoi tu veux me donner? Parce que voilà. Merde, je l'ai jeté par terre, carrément. Oh putain, ben voilà, on en a plus. Bien joué. Au lieu d'attendre 2 secondes. Putain, je vais te mordre l'oreille. Tu sais ça, on a perdu au moins 1 million là. 2 au moins. Ça aurait été un 4. Putain, dépêche-toi, Junior, ou je te fume là. C'est au max. Bah ça va. C'est bon. T'as vu ce qu'on a mis, la quantité qu'on a mis dans les yoga. Si vous prenez cette quantité là exacte, et puis que vous prenez sur vous, vous pouvez faire 24 pochons chacun. Putain merde, mais dépêche-toi.
Attends, il y a un sou... Attends, mais... Wow. 50. Mais tu vous... prends 50 sacs d'hydrogène, s'il y en a plus, il y en a plus, putain. Du coup, tu prends 50 d'acétone et 20 feuilles de coca, putain de merde. Non, mais faut faire des calculs difficiles, là. Je vais le fumer, hein. Vas-y, on rentre le canard. Mais... Attends, regardez là. Putain, je... Espèce de petit bâtard. Ah. Tiens, voilà. Ah. Plus jamais tu lèves la main sur toi, Oji, putain de merde. Ma c'est casquette. Préféré, Oji. Ça y est, ça se rebelle. Putain de merde. Mais sors de là, bordel. Ouais, c'est bon, c'est réglé. Encore 10 de ça et c'est bon. Comment tu fais des 10-10, putain? T'as juste à prendre 20, 55 et 50, bordel. Non, mais c'est plus compliqué que ça. Non, c'est pas compliqué. Et on perd, si, tu... des... si c'est compliqué pour toi, il y avait des divisés, et tu reprends. Des fois et tout dans les opérations, et puis il y avait des parenthèses, j'ai rien compris du tout. Moi, bon. Oji, tu veux de l'aide pour les calculs? Oji, tu veux de l'aide pour les calculs? Je vais les fumer. Non, c'est bon, j'ai tout là. Ah, je suis prêt. Ah bon, j'y vais, allez. Regarde, je te donne un tips. Tu mets ça. Là, à l'intérieur de. Le prochain qui me demande les quantités, je lui dégomme la tronche. C'est bon, mais c'est quoi ça par cœur, hein. C'est non, facile. Junior, ouais. C'est trop facile. Hein. Putain de merde. Si tu prends cette quantité-là dans ton van, tu peux faire 13 pochons dans le van. Plus ce que t'as sur toi, tu peux en faire une vingtaine ou 22, un peu comme ça. Non, celui-là, il est pas bon, je suis en train de le faire. Mais si, ils étaient tous pleins. Non, pas celui-là. Mais il faut pas les mettre pleins, il faut juste mettre les quantités là. Je l'ai vérifié, il était bon. Oh, il va craquer, Audi. Il va craquer. Il est pourquoi il y a plus rien là-dedans? Mais attends, je suis en train de trifouiller dedans. Je suis en train de le faire là. Il va craquer, je vous promets. Je vais il va craquer. Il était bon celui-là. Mais je te dis qu'il était pas bon, il était plein d'acétone, je te dis. Putain, il était bon. Il était bon. Au labo, il y a deux labos. Tu es sur le G-Doc illégal. Il y a un labo à Vinewood et il y a un labo au port. Dans le groupe officiel sur le Discord, il y a. C'est parce qu'on prend pas tous plus à rien, c'est dans une serre fumée. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas compliqué, j'ai répété 40 000 fois. Non, bah c'est bon, hein. Celui qui touche à mon camion, je le défonce. Ouais, moi si, là, mon camion il est bon là. Tu as un G-Doc dans le groupe officiel sur le Discord et t'as tous les emplacements. C'est pas compliqué en plus. Ouais, 78, 26, 39 quoi. Ouais, mais ouais, Kaiden c'est un ça. Tueur, c'est pas un calculeur. Quand tu vas avoir besoin d'essence. Vanwood, il n'y a pas de labo, non. Ils ont changé de place, les labos. Il y a des trucs qui sont rajoutés au G-Doc, il faut regarder dans le règlement. Il y a un labo là. Attends, je te montre. Attends, il est où? Mirror Park. Mais qu'est-ce que je fous? Je suis dans le nord, moi. Je suis con aussi. Il y a une supérette quelque part ici à Mirror Park, tu vois, pas celle de la station, une autre. Il y a un laboratoire dedans, et l'autre laboratoire, allez, il est là. Avant. Dans un conteneur. Tu vas voir, on va y aller. Ah, je me rendais pas compte que c'était aussi mathématique. Ah, la coque. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux. Vas-y, ça marche, y'a pas de blême. Ah, du coup, c'est après, on est riche. Ouais, non, on est pas riche parce que je t'assure qu'avec ça, on va même pas faire une centaine de postards. Ah ouais? Ah ouais. C'est quand je te dis qu'il si va falloir taffer, je rigole pas. 150, ça fait. Ah, ça fait au moins 48 dollars. Oh putain de merde, je te jure, je vais te jeter là.
Je vais te jeter là à terre, tu sais. Ça va me faire de la peine. Je t'aime, mais je vais te tuer. Avec amour, mais je vais te faire du mal. C'est 200. Ouais, c'est plus 200, ouais. Ouais. Donc, ça va, c'est pour voir si tu suivais. Ouais, mais bien sûr. C'est toi le mathématicien de la bande. Ouais, mais c'est ça, ouais. C'est le trésorateur, comme ils diraient les autres. Là. Ouais, t'es la secrétaire. Ouais, bravo. Ouais. Strike. Putain de merde, mais c'est fou. Hein. Mes gars, ça peut pas rouler. Hein. Pire que moi. On voit que je vous ai tous appris à rouler quand même. Ah, je leur apprendrai si tu veux, je leur ferai des cours. Ah bon, ouais. Bon, là-bas, à chaque fois, il y en a 3 qui taffent, 2 qui surveillent chaque côté. Mais j'ai plus de musique. Faut bien un chef de chantier aussi. Ouais, c'est vrai. Un capitaine de labo. Ouais, après le capitaine de route, un capitaine de production. Et tu sais quoi, y'a même pas besoin de deux qui surveillent, y'en a un qui monte sur les cargos là, il voit tout. Hein. Ouais, ben, qui monte sur les cargos. Bon, alors, je vous explique. La recette parfaite. Écoutez-moi bien, je vais pas me répéter. Vous tapez 3 acétones, 2 feuilles de coca et 6 nitrogènes. Si vous faites une connerie, on va tous péter. Regardez, Jay l'a compris au moins. Ouais. 3, 6, 2. Je répète, 3 acétones, 2 feuilles de coca, 6 de nitrogène. Ensuite, vous tapez quelques pochetards, vous reprenez sur vous les quantités pour être au max, et vous retapez quelques pochetards dans le van. Oh, ça fume là ! Vas-y, j'ai hâte de me retrouver dans ton coffre. Ça va péter là, hein? Ouais, mais il faut pas se garer sur la route par contre. Ah ouais, mais je m'étais pas garé comme... Non, c'est pas grave, attends. Come on, man, get out of the way. Il est chiant avec ses positions quand même. Ah ouais, même dans le coffre, faut s'en mettre que 20. Donc ça veut dire qu'il faudra pas se balader sur le terrain en fait. Eh mais putain. Allez, casse-toi! Barre-toi, mamie! Putain de merde. Ah ouais, elle va faire chier. Ah ouais, c'était obligé. Bon, il faut vous mettre vraiment contre le truc. Lui tirez pas dessus. Attends, c'est la sortie.
Attention, attention. Merci. Mamie, elle est comme ça, elle a fait du jus du tu, quoi. Tu nous avais pas prévu pour la mamie. Les autres, ils vont gêner aussi. Hein. En fait, ils vont se mettre à leur filet indienne. Oh putain, j'ai failli faire une connerie. Sans le fardeau de moi en martyr. Ouais. Après, elle va m'avoir chlassé, là. Je t'ai jamais chlassé. Moi, ouais, c'est ça. C'est jamais arrivé. Alors, 3 acétones de coca, sinitrogène. Coca, 3 acétones, sinitrogène. Ouais, 3 acétones de coca, sinitrogène. Ok, celui-là il est vide. Et t'arrives à en mettre combien toi dedans? Ah, moi je t'en mets autant que je veux là-dedans. Ah ouais? Tu veux... Non, c'est... Mais je t'en mets... C'est moi qui arrivais pas tout à l'heure dans l'autre. Bah ouais. Mettez tous les pochons dans le rouge. Tu vas où j'y vais? Hop, j'arrive. J'ai encore du nitrogène et de l'acétone dans les poches. On va rassembler tout ce qui reste là pour finir. Tout dans le yoga, ce qui reste. Vas-y, je suis le prochain. Ah, y'a rien dedans? Non, il faut on met tout ce qui nous reste là-dedans. Ah ouais, c'est pour ça, pause. On groupe tout et... Ouais, fout tout là-dedans. Chacun son tour, comme ça, ça va être bien. Ça va là, on a fait 100 pochetards quasi. Ouais. En combien de temps là? 15 minutes. C'est le chargement et tout le bordel. Maintenant que vous avez pris le pli, ça va aller vite. Allez, ouais. Hop là. Par contre, là il y a combien de yuga de plein, OG? Plein de quoi? De coke. Il y en a qu'un, le rouge. Eh ben les trois autres, je crois qu'on va se recharger en nitrogène sur le retour. J'en ai plus. Ouais. Bon voilà, j'ai tout posé. Ok, je vais produire. Et Oji, je ferai pas un graphe là sur un conteneur. Tiens, vas-y, fais-toi plaisir. Ah ouais, mais attends, ça va pas attirer les cops? C'est direct quand il y a le labo là. Non, mais je le mets ici à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur là, ouais, vas-y, carrément derrière moi. J'attends. Ouais, mais juste en paix. Comme tu veux. Attention. Vous avez tous déposé vos pochetards de coco? Ouais. Ok, on en a fait 99. Je mets tout ce qui reste dans le yuga.
Bah, je vais garder ça. Vous savez quoi? Prenez l'acétone qu'il y a dans le yoga sur vous, comme ça on peut remplir complètement de nitrogène. Voilà, l'artiste est passé par là. Attends, il faut que je vois ça. Dans celui-là, non? Ouais. Ouais, pas mal. Il est bien, non? Ouais. Ouais, il est cool. Ouais, nitrogène. Ouais, je prends, je prends. On laisse passer le yoga. Ils sont stylés ces petits burritos là. Bah, moi, faut que je m'arrête sous le dépanneur. Vas-y, on ira juste après l'acétone, le putain nitrogène. Je sais pas si je vais tenir jusque là. Yo, on est 6. Ouais, on est 5 là. Bah, toute la soirée, on a été 5. Pierre, tu nous rejoins, c'est rien au fond. Bah sinon on est plus c'est sur la route. On est plus en HRP hein. C'est juste que là il fait chaud, on est samedi. Ah ouais. Ah ouais. Les irréductibles qui ont pas peur de la chaleur. J'ai même pas regardé, je fais jamais attention à combien on est in-game. Et t'es qui toi, Nitzix? Tu me l'avais déjà dit, je parie. Ange de la douane, ah ok. Ah ok, ouais. Oh merde. Bien vu ça. Vas-y, tu casses pas, on t'a vu hein. Tout pour pas bosser quoi. Oh putain, j'ai une mouche qui me casse les couilles. Je sais pas par où elle est rentrée. Ouais, 40 par 40. Mais putain. Pire idée de l'avoir foutu là. Je sais pas qui c'est le con qui l'a mis là. Kayden, t'es un con Kayden. Putain, j'ai bouffé du chou chez Tata, j'arrête pas de péter. Bah bravo, super, ça va couper partout. Putain de merde, c'était quoi ça? Oh, il s'est explosé le connard. Quoi, c'est lui? Bah, je crois. Hein. Non. Il a dû vouloir faire de l'essence. Ah non, ça va, il est toujours là. Ah bon, ça va, c'est pas lui alors. Ok, celui-là, il est plein, celui dans le fond. Il est plein aussi le rouge. Ouais, j'ai 50 sur moi. Je suis plein aussi. Et il faudra encore de l'acétone demain. Mais quoi? Il nous a tous baisé ce Kayden à foutre son truc là. Ouais, ils sont tous full là, hein, je crois. Le rose il est full. Ouais, ouais. Ok, il n'y a plus qu'à prendre sur nous. Attendez, j'irai bien tester un truc. Deux secondes.
Putain, venez, je vais vous montrer un truc. Ouais, deux secondes. Ah ouais? Je regarde si on peut arriver ici. Si on peut monter par là. Non, pas. T'es sûr? Allez, Odien, à plus. Non, attends, regardez bien, prenez exemple. Prenez pas exemple, regardez bien. Yo, Romano. Regardez bien, je vais arriver. Ouais, par contre, moi, je suis sur un toit, je surveille tout. Non, c'est pas pour surveiller rien. On peut se garer ici, on arrive par là. Hop. Lève. Tu vois, on arrive à pied. Vous suivez. Suivez le G. Lève. C'est vrai qu'on peut venir par de là à pied, ouais. Y'a quelqu'un de chez nous à côté du camion, là ? Ouais, j'y suis. On arrive par là et hop, on braque d'ici directement. Des vues d'inconnus, pas de voiture, rien du tout. C'est vrai. Et boum ! Bon, je pense que mon plan est cramé, mais... Je pense que j'ai mieux, mais je suis pas sûr que ça passe. Attends, je vais regarder. Ouais, ou de l'autre côté aussi, c'est plus court. Ça va. On s'est bien marré quand même aujourd'hui. Hop, malgré la chaleur. Ouais, par l'autre côté, je sais pas si c'est faisable. Non. Bah, on a été sur Caillot, on a récupéré le marché de la coca. Parce qu'il nous avait filé deux missions à faire qu'on a fait, qu'on a exécuté. Il nous a missionné aussi pour choper les Vatos. On a chopé les ballasts sur le nitrogène. On en a planté un. Et on a eu l'information comme quoi il venait sur Vinewood demain. En gros, donc demain ça va péter à Vinewood. Ouais, il y a bien que le côté à gauche, tu vois ici là, on rentre par ici. Il y a pas besoin de monter en fait, on se gare juste dans le petit truc, tu vois délire. Clairement, ouais. Puis on a fait un peu de coca là, on a fait 100 pochetards, on a été récolter à Caillou. On s'est bien marré. Donc toi t'as fait quoi de bon, t'as joué un peu? Puis je sais pas, les bloods c'est stylé je trouve. La couleur rouge et tout là. Je suis du mal de refaire un petit gang d'afro. Notre mapping il est bien, on est bien mis. Barbecue jacuzzi. Ah ouais, t'as raison. T'as les PNJ, ils veulent nous tuer. Hein. Mais un jour de la place, hein! Un jour où t'arriveras à décrocher J-Life là. Putain de merde. Lâcheur. Qui c'est qui a retagué au-dessus de mon tag là? Je crois que c'est Five. Il s'est amusé à taguer partout. C'est moi qui l'ai fait, mais il y a quelque chose qui est marqué en plus que Blood. Ah ouais, il est marqué quoi? J'arrive pas à lire. Ouais, moi non plus.
Tu devrais, Blondie. Putain, j'ai encore paumé le quartier. Il suffisait que je descende, j'ai fait tout un tour. Oh putain, j'ai mon gun quand même. C'est bon? Bah ouais, déjà que t'es avec tes potes, tu vois, on s'éclate et tout. Franchement, on se barre bien. Mais je te dis, je te force pas, c'est comme tu veux, ma poule. Hein. Putain. Et c'est la file. La file dans la Faudrait que je demande les clés du coffre en haut, là. Ouais, ça peut être cool, ça, ouais. Ouais, comme ça, on pourrait décharger deux fois plus vite. Mais... Hop. Tac. Il y a des ballasts et tout qui sont arrivés, en plus. Des ballasts, il y a trois groupes de bikers. Il y a pas mal de monde. Mais qu'est-ce que je peux avoir chaud par contre? Waouh, waouh, waouh. J'imagine même pas si j'avais mis ma cam avec les lampes. Mon bureau, c'est un four. Je me plains pas de la chaleur, j'adore l'été. Hein. C'est juste dans mon bureau là. Faudrait que je rachète un ventilo. Tac. Je sais pas, j'ai pas fait le pic. J'ai pas vu le pic, mais en général, on est une centaine en moyenne. Hein. Mais tu vois, contrairement à d'autres serveurs où des fois t'as 200 personnes, bah tu croises des gens tout le temps. Dis-toi que sur Caillou, on a croisé les bikers et les balas ce soir, hein, alors que ce soir on n'était pas beaucoup. Hein. Ce soir on était soixantaine, je crois, un truc comme ça. Et on a croisé les balas, on a croisé les bikers, on a croisé les cops. Il y avait les trucs de Caillou, on a croisé les coréens. Comme c'est plein de petits groupes, bah il y a toujours du monde en fait. Et surtout en ce moment il fait très chaud donc les gens ils jouent pas trop, tu vois. Ouais bah c'est ça hein. C'est bon? Non, il y a l'outil, après j'y vais. Le burrito de coca. Le videz pas, on ira tout vendre demain. Ouais, elle est vidée. Bon, on le rechargera. Ouais, ouais, moi c'est pareil là. Dans ma baraque, il fait bon, tu vois, parce que j'ai laissé les tentures fermées et que. C'est une baraque en pierre et que j'ai des grands sapins, des arbres et tout, donc il fait encore, tu vois, vivable. Mais dans mon bureau, avec les PC et tout, là, waouh. N'oubliez pas de poser vos pétards. Ouais, ça va devenir l'habitude. Quand on va dormir, on les pose, quand vous vous réveillez, vous le prenez. Comme on n'en a pas pour toute la troupe. Oji, au lieu de t'enfermer dans ton KGB là, tu veux pas qu'on vienne les poser? Attends, je suis en train de poser le mien là. Je vous préviens tous, moi j'ai pissé sur mon pétard, ok? Comme ça, c'est lequel le mien. C'est ça l'odeur de merde? Non, c'est de la pisse. Oh, mais c'est l'odeur de merde ta pisse. Eh, vous trouvez pas que le Oji il a un petit bangala maintenant qu'il m'entend pas? Moi ça serait pas dire ça. Ouais, microscopique, hein, il fait quoi? Il fait 18-19 cm. Ouais, ça rentre dans un pot d'échappement. Moi je suis sûr qu'il arrive même à ouvrir la porte avec. Ça va, Oji? C'est moi, j'ai rien dit, hein. Ouais, c'est encore moi qui ai failli le prendre. Putain, je vais. Mais! Vas-y, mais laisse-toi taper par le Oji. Voilà! Ah, là, je crois que ça a toussé là. Toi, je t'ai pas entendu, espèce de petite merde. Oh, je crois que ça va faire boum. Ah.
Ah putain, il soit qu'il a ses règles. Oh merde. Ah, ah, écoute, tu peux... Vas-y. Tu peux le tirer en fais deux, petit dodo vite fait là. Fais petit dodo vite fait. Fais petit dodo vite fait. Vas-y. Ah ouais, ça fait mal la batte. Hey, qui d'autre? Qui d'autre veut un coup de batte? Ah non, c'est non, j'ai rien dit, moi, j'ai rien dit. Putain, l'Oji, il est vénère là. Ça va aller, Oji. Ouais, ouais. En faveur. Je vous tiens à l'œil. T'as la plus grosse bite du monde. Je vous tiens à l'œil. Putain, par contre, c'est chiant, ça, j'arrive pas à. Voilà. Il a bouffé le casier. Vas-y, je vais dormir dans ma chambre. Vas-y. C'est un bon endroit pour dormir, je trouve. Ah ouais. Allez, big up. Putain, so whoop, merde. Putain de merde. Je vais me mettre un coup de patte. Ouais, so whoop. Bon. Allez, mais moi je vous laisse. Je vais aller dehors à poil. Je vais aller dehors à poil sur la Transat. Je vais dehors à poil sur la Transat, ça va faire du bien. Je vous souhaite une bonne nuit. On se voit demain encore pour la suite des Bloods. Normalement, il va y avoir un truc sympa avec les ballasts là qui vont venir attaquer Vinewood. Donc voilà, on va défendre Vinewood. On va voir comment ça va se passer. Hein. On va les vendre, on n'a rien à foutre, on va les attendre. On verra bien comment ça va se passer. Bon, allez. So whoop.